Que j'entendis des enfants qui chantaient un cantique au son clair et touchant. Les anges séchant uniraient leurs accents. Jérusalem, écoute, frère, écoute, Hosanna, Amen, Hosanna, honneur à l'église. Bonjour. Matin, nous sentis nous contents pour nous capables au pied de la croix. Pendant ces maintenant, l'Éternel t'a agi puissamment pour nous parce que il t'a bail nous de l'eau, nourriture, l'argent et puis gros bagaille là, c'est oxygène qui sorti dans lui-même là, li connecté dans nous-mêmes. Et c'est ça que fait matin.
Nous capables pour nous dire, nomme nous bénis l'Éternel, nomme nous louer l'Éternel, nomme nous exalter l'Éternel. Et sous mon saillot matin, moi dis nous bienvenue dans l'école sabbat. Pour nous capables d'éviter le programme nous matin, nous pourrons chanter le numéro 180 à tes pieds au divin maître. Avec un directrice nous. Je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle-moi, sois de t'entendre. Parle, Dieu, donne-moi désir que ta voix puissante tendre.
Amen. L'Éternel, amen, amen. Debout étant, on a ouvert la Bible nous ensemble avec moi. Côté que nous pouvons lire le psaume 92, qui est le psaume cantique pour sabbat. Tout le monde journée. Nous pouvons lire ensemble. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à des cordes et sur le lit au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y n'en point garde. Si les méchants croisent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le très haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du bif. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le panier. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de cervelles droyantes pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point dans lui d'iniquité. Amen, amen. Pour que nous pourrions agenouiller nous, nous avons demandé à la directrice nous pour le chanter et on se trouve pour nous dans le numéro 607. Et après ça, nous avons Hey!
dit Seigneur merci pour tout ça le fait pour nous dans semaine là. Nous dit merci parce qu'elle t'a fait nous arriver jodi a pour nous te ca venir passer un bon journée. Et quand y a n'a commencer école ça ba nous dit pour le ca arrêter avec nous, pour le ca mettre pour le ca venir I'm so sorry. Pour lui ca descendre sur nous et pour le ca ba nous bénédiction li. Pour le ca aider nous comprendre message li et pour le ca aider nous aider l'autre pour comprendre message yo. Nous dit Seigneur pour le ca toujours être avec nous, pour le ca diriger nous, pour le pas quitter aucun mal arriver nous, pour le pas quitter aucun mal arriver l'autre, pour le ca toujours être avec jeune nous qui a sorti jodi a pour aller jouer. Nous dit pour garder yo, suivre yo, sauver yo et au nom de Jésus, amen. Amen. Peut-être que dans le moment ça, nous pourrons passer dans ce minute spécial avec directrice nous, Sister Mélande. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Bon sabbat. Eh bien, c'est une spéciale nous pour matin. Hein? Avant tout, qui est-ce qu'on qui a dit qui sabbat sabbat ça y est? Qui dit? Gen un qui dit anniversaire, gen un qui dit progrès, gen un qui dit. Eh bien, je dis à c'est troisième sabbat. Nous capable boire que conférence en virer bagaille troisième sabbat c'est fond déplacement. Nous toujours qu'on fait le deuxième sabbat qu'on y a c'est notre troisième sabbat lié. Fond déplacement investir gros. C'est une spéciale nous trouver li dans Matthieu 19 verset 21 qui dit si tu veux être parfait vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Eh bien, invitation ça que Jésus t'a fait à si nous connaissons la Bible nous bien, nous joignons, nous voyons que Jésus t'a fait invitation ça avec un jeune homme riche là. Côté, il était vraiment unique dans Jean parler. Pour nous qui mettre accent sur parole ça yo, c'est comme si on investit dans une entreprise qui pas bien faire déficit. Et nous songer réponse immédiate jeune homme riche ça dans Matthieu 19 verset 16 à 22. Selon lui-même, il était observé tout commandement. Il était retourné dîmer avec toute offrande, il fait bien tant que c'était vraiment et on bagaille qui courant dans monde juif là côté yo toujours a fait aumône yo toujours fait bien yo bay mais pour Jésus li pas fait trop. Jésus gardé jeune homme ça dans gel pour le dire moi vle que moi espérer que ou bay plus et ou capable bay plus et me croire ou capable faire. Et yo dit nous comme ça que faire un gros investissement dans affaires bon Dieu c'est un bagage commun dans ancien chrétien juif et ça rapportait que c'était style mode de vie dans l'église primitive juif là qui était un héritage qui pas champéri dans génération qui va venir bien entendu dans génération juif là ou toujours ouais yo gagne façon que yo investi et yo tellement rapporté nous dit tellement rapporté yo que les juifs depuis juifs font côté dit ah moun sa gen l'argent qui s'est passé et yo bay et bon Dieu béni yo amen. So c'est ça que fait dans acte 2 verset 44 45 et acte 4 verset 34 à 35 nous joignent deux fois que moun longtemps sa yo te kon vann bien yo pou yo ka bay apot yo pou yo te kapab fè travay bon Dieu. C'est ça que fait moun yo te plus mette accent sou action en Barnabas ki te vann tèli
et li te bay apotyo pou te kap supporte l'église. C'est même gens avec Nicodème. Nicodème te aidé l'église avec richesse li. Et li te et en pile juif yo te étonné parce que Jean que bagay yo tap déroulé a nan jou péril yo Nicodème te rete ferme, li te rete très prudent, très hésitant et li te tan kon roche. Li t'a encouragé foi disciple yo et li te fourni moyen pour yo te cap en propager l'œuvre de l'évangile. Bon Dieu lui-même li bay meilleur de lui-même. C'est et même Jean tout en retour li besoin meilleur de nous-mêmes. Et m'a rappelé nous que fond déplacement c'est une invitation qui fait aux membres de l'école de sabbat du sabbat pour encourager membres yo pour porter coller dans mission à travers pour un projet personnel ou bien familial qui produit profit dans l'œuvre de Dieu. So rete en pile territoire pour nous couvrir mais pas gain main d'œuvre et pas gain temps. En petit coulier bail avec amour. M'a rappelé nous que si nous capable faire un l'autre bagaille en matière de don, bon Dieu attend nous. Amen. Que nous fait parce que investi dans l'œuvre bon Dieu, c'est une bénédiction. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Nous disons, Sister Milan, merci pour façon d'expliquer nous 5 minutes la matin. Comment nous capables d'avancer dans le travail, bon Dieu. Et pour nous capables de passer dans le bulletin missionnaire nous avec ancien nous, frère Carlos César, nous chantons self-sauf au numéro 24. Et après sa voix, nous allons entendre ses voix ancien Carlos César. Alléluia, louange à Dieu, chrétien scellé, mon âme à tout lieu, son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur. Chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Bon sabbat. Ok, matin, nous voyager, nous allons aller au Brésil. C'est là nous connaissons grand pile haïtien, pas vrai? Et mes petites bulletins matin, ils défendent uniquement de Dieu. Ils ont parlé d'une famille qui est Marcelo. Marcelo a travaillé dans une entreprise textile. Quand il a travaillé, il y a un manager. Le manager a changé. Avec vous, l'autre monde qui est plus dur que ça que là avant. Mais d'après ça, le manager a fait lui-même, il a demandé pour que les gens travaillent le samedi, il a augmenté le travail. Mais Marcelo lui-même, il a été en bas de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a fait partie des gens qui observaient le sabbat. Mais Marcelo n'est pas capable, il est impossible pour lui de travailler le samedi. Ça Marcelo yo di nou Marcelo pa gen intention pou travaille juste ça mais li té toujours observé sa bali mais comme ça Marcelo ta la kali après il té fin travail nan lundi il retourné li pense t'a provoqué mais c'est pas ça que té fait kounya ou connaît li pa travaille juste samedi a kounya les péchés la vini il garder lui l'argent descend li pa touché même cob là pendant ce temps. Tout le monde a moqué Marcelo, il a dit, monsieur, comme ça, où sont les gens qui sont fous? Pour qui ça, ou pas venir travailler, parce que vous avez une responsabilité. Marcelo n'a pas tout comme ça. Marcelo était toujours, resté à observer mon Dieu. Il n'a pas de bâtir les problèmes, malgré que les gens ont monté tête, mais il était quand même ferme.
Mais après ça, madame n'était pas venue enceinte et Marcelo a commencé à avoir des problèmes. C'est comme ça que l'église était supportée dans le moment ça, elle était aidée. Après ça, même si on a moqué Marcelo, ça a passé, ça a passé. Yo même, il y a le côté boss travail là, il m'a demandé boss travail là pour boss travail là pour une décision avec bagage ça pour aider Marcelo parce que il va pas continuer comme ça. Et mais ça a passé, ça a été fait en bon temps, presque 2 ans. Marcelo a monté en calvaire mais il était qu'un ferme, il n'a pas jamais abandonné l'église. Il était toujours à prier. Et mais après mon yo t'ai fini demander boss travail là et aussi en pétition pour aider Marcelo. C'est comme ça, Marcel était toujours été sous deux genoux, l'a prié. Eh bien, un jour comme ça, il était regardé le que boss travail là, tu bail une lettre, l'a regardé le que avant me dit ça et l'a t'a dit mais ça nous jeune passer ça dans Psaume 37 verset 25, il dit j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance, mendiant son pain. Eh bien, administrateur a dit, Marcelo, je me sentis que moi j'étais très tôt injustement. C'est comme ça. Je respecte le jour d'adoration. Je n'ai pas eu ça alors, je n'ai rien avant. L'église nous va dire amen. Si moi m'a regardé, m'a foncé le commentaire, c'est comme ça l'état de nous-mêmes, pour nous-mêmes, je dis. Si nous disons, nous observons ça, bas, juste samedi, nous sommes assis à l'église, ce n'est pas notre travail pour nous. Si nous avons la foi, nous avons dit que nous sommes de la baoule. Nous avons Marcelo, il était qu'un ferme et il était tout bagarre de bac. Il dit, Marcelo, tu continues à travailler dans l'entreprise. Il dit, je peux affirmer que cela vaut la peine de servir Dieu. Je crois que par la grâce de Dieu, j'ai pu laisser une marque sur l'entreprise. De nombreux collègues ont découvert Dieu et sa fidélité grâce à mon expérience. Ils ont vu ce que mon Dieu est capable de faire. Là où c'est chrétien, ou si besoin de lumière, ou si besoin d'exemple, quand on travaille, nous, Marcelo, pas de plein, il était prié, et comme ça, nous, qu'il était jeune, tout à fait le bac, malgré que mon Dieu t'a dit le fou, il était ferme, li pat di ke m'a quitté l'église parce que moi yo diminué en comme moi et ben nous que au lieu que yo te révoqué yo comme la diminué c'est vrai yo une balle comme li bac parfois monde qui contre à la fin la vienne obligé entrer dans pitcho bon Dieu a touché Kelly la fait même Jean ou prier la vienne allemand de grâce pour mais tout ça c'est travail mon Dieu. Et au fait, nous connaissons que l'offrande 13e sabbat, nous va ramasser, il va aller dans la zone côte Marcelo, qui est dans le Brésil. Ok? Il dit, offrande ça, il va là pour être capable de construire l'église dans la zone ça. C'est tout ça que je veux pour Mathieu. En nous, on Marcelo, je dis, en nous, pas des chrétiens qui plaignent, en nous, rester fidèles à mon Dieu, et comme ça, mon Dieu va ouvrir la porte pour nous. Passons bon sabbat. Amen, amen, amen. Je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa prospérité mendiant. Maintenant, Matelo voyait dire nous consacrer, augmenter nous la foi, parce que juste là, malgré tout, les papes jamais abandonné, et ni petit, les papes jamais mendi dans la rue. Et nous dit, petit bon Dieu qui te travaille ensemble avec nous dans l'école sabbat, merci. Nous dit merci à Sister Hélène. Nous disons merci à Sister Hélène, merci à Sister Milan, merci à Frère Calo et merci à nous-mêmes, membres d'église qui te rendent le programme possible matin. Pour nous capables de passer dans le son avec moniteur nous souhaitons que tout moniteur nous déjà prêt. Et côté que nous pourrons chanter nous pour apprendre nos leçons avec amour et zèle. Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, l'attendons pour apprendre nos leçons.
OK. Nous voulons saluer tout le monde qui branché dans Facebook ou bien dans quelques réseaux sociaux, tu es capable de nous saluer dans le précieux nom de Jésus. Nous saluons tout le monde école sabbat dans l'église hein, qui est venu. Ou du moins, pas de monde, dans le moment où il y a un monde qui s'est étudié, a étudié, nous allons revoir le son avec nous. Nous avons avec nous, nous avons ancien Edouard et puis nous avons ancien Vogel. Pour nous capables de voir le son, méditons en plus. Nous arrivons presque à la fin du trimestre, c'est nous dans le son 12, à côté, nous avons étudié comment ça, ça voulait dire, là nous chita dans le creuset, son bagaille qui est difficile, mais au faible, on connaît exactement. Qui niveau chaleur capable de supporter. Et c'est à cause, il connaît exactement le pour suspendre, le pour être capable de stab du feu. Hein. Ça que fait moi dire ça, c'est parce que dans le moment, on fait vlan, ouais, qu'on semble avec lui, le garder, le ouais, tout. L'orlan, toute gang qui était dans l'orlan épuré, c'est le sale qu'on est. Nous t'ai étudié. La leçon sur la patience, il commence à boire qui sort d'eau et gagne ou bien qui sort capable de joindre avec l'on en feuillet et l'on en creuset. So, aujourd'hui, on a étudié, ou du moins, on a revoir avec, ou mourir comme une graine. Mourir. Mourir, ce n'est pas un bagage qui c'est pas un bagage qui plaisant, ce n'est pas un bagage qui parle, remet parler, l'en mort. Me semble-t-il que titlan antigen morbide c'est pour mourir comme une graine et puis texte de méditation lit dans Jean 12 verset 24 il dit en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits. Leçon, Jean verset en dit, gen la mort, gen pile bagay qui doit mourir. C'est Jésus qui a parlé, la parlé de Sali, you know, pour le traverser à cause de sa mort, comment nous-mêmes, you know, comment gen fruits qui pourra le porter dans la mort. So, Dieu, il est tout puissant, il est grand, il est infini. Dans toute autorité universelle, il est sous trône, Edouard, de grâce, et règne sur d'innombrables galaxies. Comment, mon Dieu, puissant, immense, il est capable de venir en homme pour le vivre sous planète ça et non seulement les vivent sous planète ça les mourir non seulement le mourir les pas mourir dans n'importe quelle mort les mourir en mort terrible en mort que vagabond te doit prendre assassin te doit prendre comment expliquer phénomène ça pour bon Dieu lui-même pour décider pour capable mourir et puis pour capable venir sauver l'humanité. Je pense que c'est ça qu'a parlé dans verset à mémoriser. Et toute la vie de Jésus sont la vie qui était extrêmement difficile dans le sens et comment mon cure pour vivre dans l'environnement de péché. Ça c'est pas extrêmement difficile pour vivre et en tant qu'un monde qui pue dans l'environnement péché. Mais le libre arbitre que bon Dieu a placé en l'homme permet l'homme de gagner droit à faire choix et de son destin. Et son bagage que bon Dieu mettait même dans l'homme.
Mais puisque l'homme a un choix à servir bon Dieu ou à ne pas servir bon Dieu, il fait un choix et choix offert, c'est un mauvais choix. Et il était déjà averti ou déjà que si vous faites choix, conséquence que la porté. Mais pour Dieu sauver l'homme, il voyait Jésus. Il voyait Jésus et prend hypothèque ça pour l'homme. Hypothéquer divinité li pour lui faire le monde. Non, quoi qui semblable à nous-mêmes, non, qui sujet à péché, à toutes sortes de tentations pour sauver l'humanité. Et c'est ça que l'apôtre là résumé en parole, capable que moi-même, avec vous, dans des moments difficiles, nous sommes capables de résister, les dit, et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus. Et toute la vie de Jésus était en vue de soumission à volonté si là, et qui était voyé dans le monde ça, vient mourir pour l'humanité. Et ça qu'elle dit clairement, pas rien l'a fait sans la volonté de son Père. Ça, c'est la soumission totale à Sila qui dévoile là son Père bien-aimé. Ok, ça veut dire que, me semble-t-il, son dépouillement total, il saute bon Dieu, d'accord pour le vin humain, non seulement vin humain, quitter toute adoration pour le joindre, et puis non seulement ça, pour le capable mourir, non seulement pour le capable mourir, mais mourir dans mort ignominieuse. Son bagage qui terrible. Je pense que son humiliation totale liée, frère et ancien Vogel, pour graine tomber à terre, c'est comme s'il sortit en haut et puis il tombait à terre. So, il y a un processus d'humiliation l'a servi bon Dieu. Est-ce que c'est ça le texte semblait dire? C'est ça exactement, parce que le titre de la leçon, mourir comme le grain. En pile monde pas d'accord avec verbe ça mourir. En pile monde depuis où est mourir parce que la vie finie, mourir physiquement c'est fini. Mais c'est en comparaison que l'auteur lui-même lui prend pour expliquer non un fait qui est réel. Tout le monde qui fait cultivateur. Ici on a en pile côté on planter pois pendant son bétail. L'on plante pois qui sort. Ou peut pois mourir. En bas de terre pour dessécher et puis après deux trois jours où elle a commencé à germer et puis où elle pied pour venir lever, c'est une transformation qui fait pour pois ça devine porter fruit. Mais si vous la gagne l'enterre et gagne l'autre pois où qui était yo sous terre, yo pas jamais changer. Où elle était, yo pas mourir. C'est-à-dire yo pas changer, yo pas porter fruit. C'est une comparaison yo ba non pour nous-mêmes qui chrétiens pour nous capable porter du fruit pour nous grandir spirituellement faut nous capable mourir dans le sens faut nous changer de comportement changer d'attitude grand pile monde qui dans l'église qui dit moi même c'est comme ça mié c'est comme ça famille mié pas grand rien pour faire changer non sous pas accepter mourir abandonner bagaille ça pour changer. Eh bien, ou pas grandir. Ok, d'après ça, ce dîme-là, il y a un processus dans ce semence-là. Processus, c'est pour le tomber, il faut grandir, tomber à terre, et puis il faut le mourir, et puis il faut le porter des fruits. Il faut le mourir pour le capable porter des fruits. C'est-à-dire que faut humilier, ok, faut mourir à nous-mêmes, et puis il faut tendre, et puis il faut obéir. Bon, intrinsèquement, Edouard, en nous-mêmes, son bagage qui est difficile pour nous capables de mourir en nous-mêmes. Qui obstacle ou pensez qui est capable d'empêcher un monde de croître en tant que chrétien? Et premièrement, c'est le moi. Yes. Et c'est ça que je dis. La première lutte, c'est à nous-mêmes personnels. Nous avons mené la lutte. Le moi a suscité en nous-mêmes ça, et l'orgueil. Et orgueil là pour obstacle pour développement et spirituel. Et c'est une bagarre qui rend l'homme faible et c'est son orgueil. Il n'est pas gagné en lui-même aucun sentiment et noble la carrière. Il n'y a pas les sentiments nobles, des sentiments et qui permettent que l'esprit bon Dieu joue sur nous, qui vous amène nous à une véritable connaissance de la vérité. Et une bagarre qui fait mal, c'est parce que quand c'est orgueil qui a mené nous, nous pouvons aller à la dérive. Parce que l'orgueil de l'homme empêche de croître spirituellement.
So, le moi d'être, doit être détourné. C'est ça, Abdim, là. Exactement. OK. Cette le affaire de autosuffisance. Parce que nous vivons dans une société côté, nous pensons, surtout ici, sous un petit monde qui a l'école, ou qu'on voit un petit monde là-bas même, vraiment, absolument rien, parce que vous pensez au suffisant de par eux-mêmes. Autosuffisance, c'est un obstacle qui empêche. Et puis, quand vous avez tout substitué, vous avez essayé de remplacer par un autre. Vous pensez que ça capable de vous qui est capable d'expliquer nous ça? Façon que vous êtes capable d'expliquer. Des fois, vous quittez bon Dieu de côté, vous pensez par connaissance, par sagesse, intelligence que vous avez, vous êtes capable de faire tout le monde. Lorsque le problème est présenté devant vous, vous pensez que vous êtes capable de résoudre. Et lorsque et là, on prend échec, qu'on y a retourné, bon côté bon Dieu. Leçon, on veut montrer, non? Nous devons placer bon Dieu en premier lieu, en toutes choses. Parce que, il y a un pile exemple. Il y a Ève qui était pensée que, avec sagesse, elle était capable de deal avec serpent. Et le choix qu'elle a fait, elle pensait que c'était un choix qui était bien. Et puis, les péchés. Il y a eu Saül qui est arrivé en dernier moment. Il pensait bon Dieu prend trop de temps pour venir aider dans la situation. Il dit, ah bon, fais quelque chose. Il n'a pas même temps pour faire Samuel. Il n'a pas tant de consignes. Il fourre même quand il n'a pas de fourre. Il pensait avec sagesse parle. Il était capable d'accomplir quelque chose. Si que je vous dis, nos pensées, par force, pas nous sommes capables de faire quelque chose ou bien sortir dans un problème ou bien dans une situation qu'on dénoyait, nous avons échoué. C'est fort que nous sommes capables de dépendre de bon Dieu, faire la planche entre les mains de Dieu. Ça veut dire que l'organe propre justice ou son danger est capable de vous. Si, ou qu'on ne pas de substitut, ou qu'on dit, well, m'attend bon Dieu tellement. Bon Dieu, bagayen le bagay, bon Dieu, on pas régler. T'es messeyé, ouais, si m'ta capable résoudre. Moïse monte en l'air, longtemps là. N'a pas tant l'île, pas qu'à vina avec un bagay, en ouais, si nous t'es capable, bien propre Dieu nous, en substituer. Gon verset qui était important pour moi, l'important sur l'humiliation d'âme, il doit peut-être au fond râler sous lui. Il dit, ayez en vous l'esprit qui était aussi en Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, verset 5. Et si ça m'a parlé tout à l'heure, et en tant que nous-mêmes qui servons mon Dieu, et toute la vie nous dépend de la soumission avec Dieu. Et bien pile fois, il faut sacrifier volonté pour servir mon Dieu. Et bien bagarre là, vous tellement aimé, si pour gagner le salut, il faut sacrifier. Et c'est là il y a un dilemme pour l'homme, parce que l'homme tout a tendance à satisfaire des îles palmes. Et c'est une bagaille qui menait Adam et Ève dans le problème qui était parce qu'ils ont besoin de satisfaire leurs désirs. Est-ce que vous pas dit le jour où tu mangeras, tu mourras? Mais on a tout dit le libre arbitre que l'homme possédait, il pensait qu'il pouvait faire toute sa vie avec lui. Et toute bagaille est une limite. Bon Dieu avant tout. Même les moments avec où nous gagnons le libre arbitre, et pour nous apprendre à destiner la vie, nous faire ça nous avec. Quand on a dit, vie, c'est pour moi-même faire ça nous avec lui. S'il te conçoit ta mort, s'il te conçoit ta vie, un obstacle dans la vie. C'est parce que vie n'est pas pour vous, mais mon monde cap contrôler. En sorte que cette soumission est à demander, et les actions qu'on peut prendre, pour dire, est-ce que l'action, ça, si je fais l'appelant sentiment, mon Dieu, si je fais telle action. Et arriver à combattre ça en vous-même, et tout ce que vous faire, vous dites, ça me va le faire, et c'est pour me faire avec une soumission que bon Dieu prend patience là-dedans. Et il y a un pile de bagailles que moi-même, avec vous, nous voulons aller personnellement et aller même. Mais là, arriver dans le final là, c'est pas la déception totale. OK, so, renoncement total. C'est ça la leçon à parler, le renoncer. Oui, imaginez Jésus-Christ qui renonce à tout droit. Il renonce à droit, il est le maître de l'univers, c'est lui-même qui crée toute bagaille. Et puis pour venir serviteur des hommes, non seulement serviteur des hommes, il mourit sur la croix, il mourit et puis il mourit sur la croix, n'importe. Non, bon. Et
Vous pensez qu'en tant que disciple, nous devons un renoncement total? Nous avons fait allusion avec un côté de l'apôtre Paul, lui-même, il écrit dans Romains 12, versets 1 et 2. Il dit: Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Pour que nous vivions selon la volonté de Dieu, faut que nous-mêmes, temple, nous soyons capables d'un sacrifice vivant. C'est-à-dire, corps, nous devons être propres. Nous ne devons pas vivre, même gens avec les gens qui vivent dans le monde là, ils ont dit c'est bien manger, bien boire et puis ils mourir. Koyo, ils maltraité koyo. Koa, il y a des gens qui prennent tabac, la fumée, des gens qui prennent alcool, des gens qui épuisent koa, la boîte de nuit. Mais si que n'a fait volonté bon Dieu, nous dit n'a soumettre avec volonté bon Dieu, eh bien faut nous capables de monde qui mourit en Jésus-Christ comme l'apôtre Paul lui-même le dit. Si ma vive, ce n'est pas moi qui vive, mais c'est Christ qui vit en moi-même. Donc ça veut dire qu'il y a un certain sacrifice pour faire. Et nous connaissons le sacrifice qui était contre gagner. C'était la mort de l'animal. Il est obligé de tuer pour faire un sacrifice, Edouard. Sacrifice croyant l'impliquer la mort à soi-même. Faut capable mourir, c'est-à-dire faut rêver ou yo mourir, faut plan ou yo mourir, faut tout désidérata ou yo mourir. Comment on monde ta capable faire ou est ou quitter toute bagaille ça, ou obligé abandonner totalement. Et la dépendance du chrétien face et à son créateur. Il est obligé définitivement tout ça qui en même lui mourir pour permettre à ce que bon Dieu triomphe dans la vie. Raison fondamentale là, c'est parce que il a une promesse qu'il fait. Et ces promesses ça et il va permettre que vous faites des sacrifices dans ça que vous même vous désirez ou voulez éteindre pour permettre à ce que promesse bon Dieu ait accompli en vous même. Parce que là il dit je connais les projets et que j'ai formé pour vous. Projet de paix, projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gen bagay définitivement dans la vie, sous pas sacrifier l'eau, pas qu'à gagner le salut. Et nous allons tirer plus loin. Le concept éducation, moi-même avant que nous ne recevoir. Gen circonstance, si vous avez éducation, ou après un moment où on vivre avec une surestimation. Et par surestimation, ça, ou pas gagner le salut. Ça, qu'on va gagner le salut parce que ou pas gagner tout dans l'égalité pour dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est quand on vivre avec sentiment, surestimation par rapport à degré qu'on gagne. Tout le monde, c'est pour mourir. Et nous avons trop de lutte sociale. N'a fait entrer nous en tant que frères et sœurs. Alors que Dieu nous a appelés, nous tous comme des serviteurs. Mais la lutte sociale que moi-même avec vous, tout le temps nous remènent dans l'église, a empêché que nous gagnions le salut. Pour qui ça? Parce que Christ, le plus grand, s'est descendu à sa plus simple expression pour sauver l'humanité. Si on parle de sagesse, d'intelligence, qui est-ce qui gagne? Si là, qui sortit côté papa, qui vient faire le monde. En sorte que je ne crois pas que nous avons une sagesse, une intelligence qui allait au-delà de la sagesse de Dieu. Ok, je pense que vous avez un exemple dans le son des vaudois du Piémont. Et Jean Mounsayo était constamment sacrifié, fait sacrifice de soi, abandonné totalement pour être capable. Et servir ou du moins pour être capable d'obéir, est-ce qu'on est capable de parler un peu de ça? Si vous parlez, vous refusez faire sacrifice, vous refusez
écouter les bons dieux parler avec vous, ou refuser, obéir, eh bien, ou à tomber dans le malheur quand même. Les noms prend Élie, Élie le sacrificateur, avec petit Lio, Noël qui malheur, il était tombé, puisque il n'a pas écouté la voix de Dieu. Bon Dieu parlait avec Élie à plusieurs reprises pour petit Lio, qui a fait des choses perverses dans le temple, qui écartait nettement de la volonté de Dieu. Et Noé, Élie tolérait. Et bon Dieu te dit, ti monsieur ça yo, yo pas vivre pour longtemps parce que yo refusé écouter la voix de Dieu. Bien que yo t'ap vivre sous même toit avec Samuel. Samuel. Yeah. Et donc compte toute histoire, voilà les plus rapide pour capable bail auditoire pour yo parler tout. Et après que Anne t'es fin passé tout le temps ni pas de café petit, Noé comment il était j'ai mis l'appel bon Dieu. Il dit bon Dieu, sous bon moyen petit garçon, m'a consacré pour le capable faire service. Et lorsque Anne fin jeune petit garçon ça, li mené dans temple là, li al bail pour Élie sacrificateur qui recevoir même instruction avec les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné. Et Noé côté Samuel lui-même, il était grandi, il était écouté la voix de Dieu. Et de l'autre petit Elio, te la gécorlan vacabondage et plus tard au payer le prix. Et Bishop Lagomba qui est important. Et nous même les parents qui vivent aux États-Unis, l'éducation que nous recevons à Haïti, c'est pas une éducation ça que ti moun nan que nous fait dans le pays ici à recevoir. Il y a un pile dans parents qui une fête ici qui subit ça et domination de l'enfant. Et on langue on monde parler pas qu'à influencer jusqu'à ce que ou perdre autorité son petit monde pour éduquer. Li c'est une faiblesse dans éducation et parents haïtiens. Le fait que petit monde n'a vini dans l'autre langue que il pas parler assez bien. Et permettre que le bâtiment en dominance sur lui, tout ça, le bâtiment dit, c'est oui et amen. Avant tout, aux parents. Et parents doivent prendre ses responsabilités, quel que soit l'endroit où ils font le bâtiment, c'est au maman, c'est au papa. Et c'est eux qui maintiennent l'autorité sur le bâtiment. Et les gens qui tellement aiment le bâtiment, ils tolèrent lui, ils ont quitté le fait saler, et ils ne peuvent pas apprendre. Il y a une autorité sur ce timon. Et ça qui arrive, il y a avec ces messieurs-là. Oui, ce petit bien tout le terrain, mais timon, il trop. Mais histoire, timon levé dans la culture américaine, amine, son autre bagaille, tout. Il faut comprendre que il y a trop d'autorité dans le niveau langue, là, où tu as parlé. Je vais le montrer au danger. Parce que timon, mais lui-même, la prend des décisions que le pape doit prendre pour vous. Parce que l'a traduit pour vous, il doit dire n'importe bagaille. Ils sont obligés d'abstenir ça, si vous voulez, ou quitter lui sous le couvert. Ah, c'est un américain, et vous quittez, vous faites ça, vous voulez. Et puis on leur dit, vous ne pouvez pas contrôler encore. So, mais Eli lui-même, lui, bagaille, ça. Eli, ouais, problème, si vous voulez, mais elle pas absolument dit rien. Li kite bagay yo a passé yo vinn di li el konnen sa ou dwe fè li pa fè li so son danger son mwen kon texte ki di ça si on moun ki konnen ki sa ki fè celui qui sait comment faire le bien ne le fait pas il commet un péché so sou konnen le bon ou pa vle fè le ou commet un péché so nou va le passer directement avec question si parce que moi connais que grand pile monde qui grand pile question songer que n'a prêté dans leçon qui abandon total qui soumission qui mourir en eux-mêmes jusqu'à arriver peut-être même j'ai avec apôtre Paul pour capable dire si je vis ce n'est plus moi qui vis
C'est le Christ qui vit en moi. Nous passons maillet, qu'on y a nous-mêmes. Si nous avons des questions, du moins des lumières, tout, du choc des idées, déjà eu la lumière, on est capable d'arriver à un entendement, bien en plus clair compréhension de la leçon. Nous avons seulement 7 minutes. Et si nous avons posé des questions, faites vite nous poser parce que. Il y a beaucoup de relais, nous avons dit nous prenons trop de place, sous le programme de l'église, nous avons exactement fini à 8h30. Nous avons 7 minutes seulement, parce que c'est le 23. Okay. Et à lieu de soi dessous. Bonjour, mon frère. Ce n'est pas tellement que son illustration sur le grain. Mouri par terre. Par exemple, pour planter de grain, pour fouiller terre, pour mettre et puis pour passer terre sous. Mais verset a dit, c'est pour mourir dans le grain. Alors, bon bagage là pour nous capables de chercher à comprendre. Parce que, il y a grain qui tombait sous terre. Va mourir selon Vogel, c'est pas lui. Faut venir entrer en bataille, vous mourir. T'as pour Jésus. Ça que Jésus voulait faire passer là dans l'initiation, ça pour nous, c'est une allégorie. Qui c'est une allégorie? C'est une histoire. Ou bien nous parabole ou bien un symbole. Mais. Son bail qui existe, qui peut exister tout. Vous voyez? Là, dans lui, nous avons que Jean prend ce symbole là, il n'existe. Mais il n'y a pas de vrai, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui voulons parler, qui voulons mourir. Il n'y a pas de vrai. Il prend une histoire sous grenin, même j'ai dit qu'il faut simer grenin. Mais même grenin, c'est nous qui avons simé l'évangile là. C'est nous tous là qui devons mourir dans le Jésus. Et puis laisser ça pour être capable de relever une activité. Merci. Amen. Ok. Lumière. Frère Emile. Bonjour l'Église et bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat. Avant que me pose des questions à poser, hein, et nous avons dit que les parisiens pour mettre un grain dans la terre, si il n'y a pas de germe, c'est normal la prêter en bâti elle va pleuver. Pour qu'elle ne soit pas à l'eau, je vais te là. Et comme ça, tout, vous mettez l'en bas terre. Si tu as une fourmi là-dedans, fourmi en manger, j'aime, non, il n'y a pas pleuvé non plus. Qui voulait dire que la prédication de l'évangile, nous avons pile précaution pour nous prendre avec lui. Et question maintenant, est-ce que bon Dieu, lit un bon Dieu pourtant ancien et l'élevé dans le temps moderne et puis il change le vin en Dieu moderne. Oui, et Habakkuk répond, et il est le même, je vois, il va changer, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça que fait maintenant, regardez Habakkuk sous bail. Sous question dîme, offrande, il dit, premier bagage, il a commencé à lire, il a dit, je suis Dieu, je ne change pas, période. So, ça veut dire, tout le monde qui peut lire pour la PC et interpréter dans la façon parlant, alors il a dit, il a comprendre qu'il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Ça veut dire, tout le reste, il peut dire dans Habakkuk, il n'a pas changé. Bon Dieu pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui changeons, mais bon Dieu pas changé. Bible en dit le pas qu'on ombre de changement la caille. Et je dis à nous sentir
dans le temps passé, Jean-Baptiste a eu un changement là-dedans. C'est pas dit que changer. Là, pour exemple, les gens qui ont porté toutes sortes de gains, ils ont déposé au pied des apôtres pour qui ça? Pour le bien-être de l'Église. Et leur poser fondement pour qu'on ait l'Église primitive qui j'en ai avec l'Église Jodia, c'est des bagages différents. Nous avons été baillés à un esprit naturel. Mais les gens qui t'a reçu voir, ils ont pris responsabilité tout envers les gens qui t'a baillés. Nous sommes capables de dire qu'il y a un petit changement qui fait dans le domaine ça. Au sein des chrétiens. Nous arrivons à un côté que nous avons un peu de monde qui souffre dans le temps. Est-ce que c'est assez que pas gagné? Non. C'est une mauvaise politique. Ça. Et c'est une mauvaise politique ça, et qui a mené à la dégradation de l'Église de Jésus-Christ. Ils vont les arriver et il faut tout le monde camper vous dire pas comme ça. Ça qu'elle pas comme ça, c'est parce qu'il pas de jambes comme ça. Il vient comme ça. Et s'il vient comme ça, c'est la responsabilité de vous-même, c'est la responsabilité de vous-même vous dire que il pas comme ça. Il y a quelqu'un plein de monde qui a senti qu'il y a des bagages qui changent dans le domaine des gens que la vie chrétienne, parce que dans le mitan, pas de jambes qui étaient pauvres. Tu as assez pour te partager et avec eux qui fait que tout le monde a une possibilité de te vivre conformément. Mais je dis, problème pour ce problème, pour le problème pas. Et pour le changement qui gagne dans l'Église et qui gagne dans mon Dieu, c'est nous qui opérons le changement et nous payons sa chair à changement, ça nous opère. Et que chaque monde entre dans eux-mêmes, puis on dit pas comme ça. C'est pour nous retourner avec les gens qui parce que si en Christ, il n'y a aucun ombre de changement. Jean l'Église date quand nous vivons pas avant, il faut continuer à vivre même Jean encore. Pas une autorité qui passe au-dessus de l'autorité de Dieu. Ce que Dieu a dit, il l'a dit, c'est fini. Pas qu'il y a un monde qui a une sagesse, une intelligence, une gestion au-dessus de la gestion divine. Loin de là. Nous allons arriver dans la fin de la leçon et la révision de la leçon parce que Yogi est en dit pour nous. Fini et puis l'arrivée. Nous allons conclure bien vite. Nous allons commencer avec vous et ancien ordonnant. Leçon, on est capable de dire, c'est une leçon qui vient dans une époque bien déterminée pour nous-mêmes, pour nous capables d'éveiller, non? Pour quitter bon Dieu, faire une transformation dans la vie, non? Pour nous capables de mourir comme les grains. D'après Jean Frère Lio dit par explication hein? Et puis qui tes yeux non fixés sous bon Dieu et pas sous problème yo pour nous penser que pas propre force pas non non capable résoudre non yo mais c'est bon Dieu qui est capable faire toute bagaille pour nous comme il dit dans Zacharie 4 ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit dit l'Éternel des hommes. Amen. Edouard. Et bien, l'essentiel, c'est que moi-même, il faut nous apprendre et attendre mon Dieu et sacrifier nos désirs égoïstes. Amen. Moi, je crois que nous avons terminé avec aussi cette déclaration de l'NG White. Enlève les yeux. Le 12 septembre, il dit il est vital que nous réalisions à quel point il est essentiel de mourir à soi-même. La crucifixion du moi placera les âmes dans une position avantageuse. J'exhorte tous les chrétiens professant à mourir à eux-mêmes afin de pouvoir susciter une vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. L'ennemi juré tout opère toutes les tromperies de l'iniquité chez eux qui sont perdus. Chaque jour, nous avons besoin de la puissance, Jean-Frère nous a dit, de conversion de Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas suivre les traces du Christ. Quittez-nous un verset ça dans Marc 9,
verset 23, il dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Si nous croyons, bon Dieu capable de faire des merveilles dans la vie, nous capables de renoncer à ce moi qui nous empêche d'avancer avec Dieu. Nous avons demandé pour nous baisser tête, pour nous faire un coup de prière, pour nous terminer avec le son. Notre Seigneur, notre Dieu, comment ne pas te remercier pour cette belle leçon que tu as envoyée pour nous. Nous avons compris l'importance du détrônement du moi. Parce que c'est le moi qui nous empêche de te servir et de vivre en communion étroite avec toi. Bénis tous les élèves de l'école du sabbat et aide-nous à continuer à combattre le bon combat, à garder notre foi et achever notre course avec toi au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Frère Maxime, bonjour. Comment nous y est, comment semaine nous y bon, moi-même, moi très bien, grâce à Dieu, malgré ce maintenant, moi prends une poussière qui cause. Moi senti moi pas de trop bien, mais grâce à Dieu, moi là toujours, et moi toujours, cap dit bon Dieu merci pour tout ça le fait pour moi. M'a chanté chanson avec nous. N'a chanté ensemble avec moi parce que nous toutes qui là, nous gagnons souffle de vie. Pas vrai? Malgré nous de voir nous comme si son seul monde qui l'a, mais réchauffez-nous avec chansa. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Nous pourrons chanter ensemble. Travaillons tous pour notre maître, moi son poteau, l'éternité. Car bientôt Jésus va paraître galant avec fidélité dans la plaine et dans la vallée. On voit prendre l'ours l'azur, une richesse moissonneure. Sans traver le pire, portons tous pour la moisson. Jésus nous appelle. Avant la
Bonjour l'église, bonjour l'église. Maranatha. Maintenant, c'est un privilège béni pour nous en présence maintenant, pour nous chanter l'ouange de l'éternel. Ça fait moi toujours content, l'aime là en présence, bon Dieu, pour moi capable de réveiller le jour du sabbat pour ma vie en présence maintenant. Et ou même, quand il y a un sourire sur les vous, il faut faire que vous content. C'est comme si c'était le dernier jour de passer et sur la terre. C'est Christ qui retourne pour capable yon parmi les élites. Parce que leur pape sourit, ou pas qu'à dire bon Dieu là bon. Si bon Dieu là bon, c'est pour moi un visage. C'est pour montrer que j'ai un bon Dieu là. Bon Dieu là, qu'on fait du bien. Et si moi, ou même, ou pas content, ou pas qu'à dire que je n'ai pas content. Ça fait nous pas chanter. Dans le numéro 731. Écoutez l'appel des bergers. L'appel des bergers, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour. Espérons toujours leur retour. Cherchons-les. Savons-nous le prix de nommer. Cherchons-les. Le bon berger leur réclame. On a demandé à Sébène Dredd qu'elle a fait un coup de prière pour nous-mêmes. Nous connaissons aujourd'hui à ce troisième sabbat à côté, nous toujours parler d'économie chrétien. Mais nous avons une bonne nouvelle pour nous-mêmes. Très bientôt, voyez économe là, appelant ensemble avec nous, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, nous avons un moment à côté que nous pouvons parler d'effort d'évangélisation. Nous avons demandé, nous avons quitté à monde qui est en tête, monde qui est responsable d'évangélisation. Pour parler ensemble avec nous, pour dire nous que bonne nouvelle que ben il gagne pour nous-mêmes et pour toute l'œuvre la tour entière. Merci avec nous c'est Jocelyne Mézier. Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. C'est ça qui motivait présence, moi présence ce matin, parce que le Seigneur était bon pour moi et pour nous toutes qui branchions là matin. Frère Charles dit, moun qui nan tête là, faut que bon moun nan tête là quand même. Mais l'évangélisation, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas ça, Jocelyne, c'est l'église Ephraim qui en évangélisation. C'est pas ça? Amen. Nous comptons nous dire Amen. Nous connaissons nous une croisade d'évangélisation déjà qui n'a pas été faite parce que nous avons fait un seul avec conférence qui t'a prêché. Et croisade conférence a réussi, plus de 150 personnes ou bien plus de 100, une centaine de personnes qui ont accepté Jésus comme sauveur. Personnellement, nous croyons que nous tous c'est là pour nous faire. Nous sommes des laïcs pour nous capables de partir pour aller chercher les gens dehors pour le Seigneur. Eh bien, nous avons une autre croisade qui est prêt, qui est tout prêt là. Nous avons deux semaines de croisade, une semaine de prière. Semaine de prière là, elle va commencer le 29 octobre, a fini le 5 novembre. Et croisade d'évangélisation va commencer le 6 novembre, qui a fini le 19 novembre. Nous croyons que nous toutes là,
Nous toutes là, nous sommes laïcs, nous toutes là, nous avons responsabilité à impératif que le Seigneur te baille pour nous toutes, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons que nous, chaque qui là, son monde qui mette là, son monde qui mette là, son monde qui mette nous, chaque qui là, là, matin, hein, et même gens, bon monde qui te mette là, ou même mette au monde là, tout pour le Seigneur. Est-ce que nous d'accord? Amen. Nous comptons sur collaboration nous toutes en nous partie commencer faire visite. Nous croyons que nous pas étonnés pour croisade là parce que croisade là était là déjà. Croisade là était supposé faire en juillet, il pas fait en juillet. Mais le Seigneur dit nous pas arrêter inactif. Faut nous travailler pour le Seigneur parce que nuit là presque arrivé. Eh bien croisade là pral fête le 6 juillet, le 6 novembre, du 6 au 19 novembre, soldats en avant, en nous marcher pour le Seigneur. Eh bien nous disons merci d'abord pour participation nous. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu avec nous. Commencez faire invitation, commencez by flyer, nous gen ti livre là, moun qui besoin, mandez-nous n'a bay, OK? Fait contact et bon Dieu a béni nous. Eh bien, c'est comme ça nous clôturer Akade Laïc là, n'a demandé pour mettre au debout et nous va faire dernière prière là pour nous capable clôturer Akade Laïc là. Que mon Dieu bénisse nous. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur des cieux et de la terre, en ce jour béni, en ce jour mis à part, côté que toutes petites yo réunis ensemble pour célébrer fête pour dire oui, c'est vous-même seulement qui bon Dieu, côté que toute laïque de l'église Ephraïm et partout et ailleurs, côté que vous prêts pour capable annoncer bonne nouvelle, mais permettre bonne nouvelle, capable entrer en nous-mêmes, capable transférer vie nous, capable nous capable mourir comme le soin te dit ce matin, nous capable mourir en nous-mêmes et ressusciter avec Jésus. Et non seulement nous-mêmes, nous capable aller pour nous dire tout l'autre qui peut qu'on connaît, Jésus-Christ revient bientôt et nous toutes. Nous va gagner la vie qui pas jamais fini côté qui pas gagner misère encore pas gagner malade encore et n'a va errer pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Sabat matin, ça, c'est avec un plaisir, département communication, qui a eu une chance pour y rentrer la caille nous. Et nous avons salué non seulement les gens qui ont l'église à avec nous, et les gens qui ont écouté nous, sur tout internet qui a écouté nous à travers les réseaux sociaux. Matin, jeudi, qui est 17 septembre, c'est la 37e semaine de l'année, il nous reste encore 15 sabbats encore pour année capable achever. En premier lieu, corps ancien à l'église a profité rappeler tout le monde réunion chaque mercredi soir au fête sur l'île et numéro 1 c'est 475 422 70 85 et à 7h30 toujours sous même rubrique ça chaque mercredi matin de 9h pour midi nous gagnons demi-journée de jeûne que nous faisons sur l'île en tout. So, mercredi, c'est un jour qui est réellement busy. Si nous n'avons pas participé à demi-journée de jeûne le matin, mercredi soir, nous remontons encore. L'autre annonce que nous avons pour nous, dans la liberté religieuse, on a deux semaines encore, on a une lettre qui est sortie de Norfolk Eastern Conference. Chaque année, il y a toujours aller et à Washington DC pour être capable de présenter des plans que Norfolk Eastern gagne pour Adventist. Il y a lancé un appel à tout chef département et pasteur ou n'importe qui de l'église là, pour rencontrer avec eux dans le jour ça pour nous capable de monter pour aller Washington DC pour nous porter coller, pour nous capables de représenter l'œuvre Adventiste là, avec agenda que nous gagnons. Toujours sur et notre et de presse qui sortait de conférence là,
Le 12 juin de, qui passait là, il y a eu un workshop qui a été fait pour département et école Sabah. Unfortunately, après confirmant 2 ans, nous avons perdu le tarif que nous avons gagné. Et nous avons fait un workshop qui a fait le 8 octobre prochain qui a venu là, dans Flatbush Church, dans 261 East. East 21, Brooklyn. Elle a commencé à 4h30 p.m. et elle a fini à 7h. Environ 3 heures de temps, Jean-Nouella, Elde Saint-Paul avec Elde et Vogel. Nous besoin de l'autre monde pour capable continuer le travail là, pour nous présenter leçon École Sabah. Leçon École Sabah, pas non seulement orateur qui fait, mais nous-mêmes tout qui étudier, nous devons apprendre de lui-même. Et nous capables d'évangéliser en ce sens. L'autre annonce que nous gagnons pour nous, gagnons un fundraising que nous avons fait, qui est un banquet qui termine, c'est Moving Forward with Purpose. Et mon capé patronelli, c'est Kaluna, et pour nous capables fait un projet pour Haïti, pour y'a bâti un bel projet que y'a fait. Et jour banquet ça, c'est va 9 octobre 2022 qu'a vini là, 9 octobre prochain. Et jour c'est l'heure c'est 4h30 pour 8h30. Et lieu là, c'est à Hilton Long Island et en Hamilton. Adresse là, c'est 598 Broad Street, Hollow Road. C'est fait, nous gagnons un petit temps devant nous toujours. Avec pasteur ou n'importe quel nom de pastoral là pour nous capables de faire des arrangements, pour nous capables de supporter comme ça. Encore, c'est pour nous capables de bâtir une école avec un orphelinat pour les enfants d'Haïti. Et date là pour nous capables, jour n'a pas capable aller pour nous capables de supporter. Et cause ça, c'est le 9 octobre qu'a venu là, à 4h30 pour 9h30, dans Long Island. Encore adresse à Jean-Pierre Dézinou, il a fait dans Hilton, Long Island, non? Qui est Hamilton. Et then adresse à c'est 598 Hollow Road, Melville, New York, 11-747. Toujours, d'ap continuer toujours, avec annonce. Directrice département de la prière, Sœur Adeline, a demandé pour nous capables faire plan pour nous présenter, pour nous capables participer dans le quatrième sabbat prochain, pour un veille de nuit noire qui va 25 septembre, 7h30. Frères et sœurs, il est très important pour nous capables prier. Les n'a pas gardé ça qui a passé à travers de nous. Événement, il a avancé à grands pas. Il est toujours bon pour nous prier. Non seulement prier pour nous, mais prier pour la famille, nous prier pour l'autre monde. L'autre annonce toujours, ça va passer, nous te dit ça. Nous avons demandé, s'il vous plaît, parking qui est sous côté là, dans le couple là, nous avons descendu. Parking ça n'est pas fait pour nous capables de parker. C'est plus pour emergency lié. Raison pour laquelle là, c'est parce que si tu as une emergency, fire truck a passé, il faut être capable d'avoir accès à lui-même. Et puis, il y a deux autres parking là qui sont là, ce côté là, juste avant de rentrer dans le plan là, c'est plus pour les gens qui gagnent un parking, qui gagnent un permis et handicap. Donc, c'est très important, nous avons plein de parking. L'église a à peu près 300 parking. De l'autre côté, derrière, nous avons assez de parking. Quand on prend, nous avons plus envie de rentrer pour nous rentrer plus près. Mais s'il vous plaît, code, building code là, là c'est plus pour mon handicap qui gagne un permit là avec et pour fire hazard. Si vous n'avez pas de fire hazard qui passe, si vous avez besoin de passer avec ambulance, si vous avez besoin de passer avec et fire truck, ça c'est accès à. Tant pis s'il vous plaît, pas paquet là. Paquet de l'autre côté s'il vous plaît. Cri de Rama fonctionne tous les jours, surtout les jeudis soirs. Nous prions pour les familles
et numéro pour nous monter sur Cri de Ramaï 857-777-7401. Je vais répéter encore le numéro pour Cri de Ramaï, c'est 857-777-7401. Bridgeport Transportation System hiring, you're looking for driver and mechanic. Et salaire là, il est réellement un salaire qui est abordant, c'est $22 par heure. Si nous sommes intéressés, nous pouvons on demande, on request, voyez par le département éducation, vous pouvez envoyer le pour nous, pour nous capables d'appliquer. Encore, c'est Bridgeport Transportation System, il y a payé embauché, il y a hire. Et salaire là, c'est $22 par heure. Et si nous intéressés, relayez le département communication et nous capables de voir l'inclin pour nous appliquer pour travailler ça. Groupe Jack et Jacones, cap de service qui sorti jeudi 17 septembre pour arriver vendredi 24 septembre. C'est Vagout 4 qui gagne la danse, le sœur Aline Bien-Aimée. Frère Vladimir Jean-Baptiste, frère Léon Sui, sœur Amélie Alcide et frère Alex Charles. Et pensez pour semaine nous joignons, qui dit « Parfois, il vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. » Fermeture du sabbat pour aujourd'hui à 6h59 p.m. et ouverture du sabbat pour vendredi prochain, qui 23 septembre, là, c'est 6h48 p.m. C'est là, département de communication finit avec toute salle de gain pour nous. Merci pour attention avec participation. Nous. Et jusqu'à avant d'aller, nous demandons à tous ces gens pour passer dans la sacristie pour nous. Merci et bon sabbat. Chers frères et sœurs, bon sabbat. Et pour nous passer dans le moment exercice de chant, nous. Nous allons chanter dans le premier chant, c'est numéro 543. Amis, chantons, chantons ensemble. Amandez-nous pour nous capables de chanter ensemble avec nous, s'il vous plaît. Amis, chantons, chantons ensemble. Une heure joyeuse a sonné. Célébrons, célébrons. Avec allégresse qui sauve les pécheurs, oh que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs, travaillant pour la même cause, n'ayant que maître. Se repose avant d'être victorieux. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse. À la bataille, soyons les membres d'un seul corps, coronés et joyeux quand c'est là. Pécheurs, oh que sa charité nous.
clément jusqu'à l'heure suprême, dans les larmes, dans les combats. Aimant comme Jésus nous aime, c'est notre trésor ici-bas. Célébrons, célébrons avec allégresse ce charité nous prête en haut, ami en haut les cœurs. Pour continuer, nous allons chanter dans le numéro 596, flots mugissants, flots en furie. Et qu'on y a pour faire place, pour monter en chair, nous allons chanter dans le numéro 163, silence, silence, un souffle de sang. Silence, silence,
appel à l'adoration. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentant quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne les posterneras point devant elles. Tu ne feras point ni ni dicter des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Crois du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Même le septième jour est le jour du repos de l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton servante, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours te prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne seras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dévoreras point, tu ne prendras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appelle ton prochain. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Gloire à Dieu.
Bonjour, chers frères et sœurs, et bon sabbat. J'aimerais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous et à toutes ici présents aujourd'hui. Notre Église est un rassemblement de personnes désirant vivre selon les paroles de Jésus-Christ au sein de la société d'aujourd'hui. Plus que jamais, nous sommes convaincus de la pertinence et de l'Évangile pour répondre aux besoins humains les plus profonds. Nous discernons dans les paroles de Jésus-Christ un message de vie pour mieux vivre avec Dieu. Nous-mêmes, avec nous-mêmes et avec les autres autour de nous, nous cherchons à vivre notre foi d'une manière authentique, équilibrée et intelligente, en tenant de la réalité pluraliste et laïque d'aujourd'hui. Nous soucions du monde dans lequel nous vivons et cherchons à contribuer à un monde plus humain et plus chrétien. Peu importe où vous êtes dans votre cheminement de vie et de foi, nous vous invitons à découvrir personnellement le message de Jésus-Christ, son amour pour vous, sa direction pour votre vie, et à explorer avec nous les grandes questions de la vie à la lumière de la parole de Dieu. C'est sur ces mots, le corps siégeant passe par mon organe, en vous souhaitant un cordial et chaleureuse bienvenue. N'a pas dit, est-ce que y a un visiteur qui visite nous matin? Si y a un visiteur, n'a pas dit, pour lui capable, mettez-lui debout afin que l'église capable saluer. Si pas gagné, ça veut dire nous tous, nous la caille nous. M'a souhaité nous bienvenue et une bonne adoration dans le Seigneur. Ça fait pour moi, victoire chère.
sœurs et distingués amis visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur et Rédempteur, pour sa grâce, son amour, sa bonté envers nous, qui nous a permis de traverser la semaine. Et en ce sabbat matin, nous sommes en sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous disons que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Êtes-vous content d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que nous sommes contents pour nous caille papa nous? Chers frères et sœurs, chers amis, pas de meilleur côté nous caille que l'empire de l'Éternel. Auprès de Dieu, c'est la vie, loin de lui, c'est la mort. Et nous voulons saluer également tous nos frères et sœurs et les amis visiteurs qui attendent nous sur quel que soit média, sur YouTube, Facebook et sur ligne téléphone, alors que nous sommes ensemble pour adorer notre Créateur, que le Seigneur est capable de bénir nous et nous dit nous également bienvenue. Et nous voulons également remercier l'église Éphraïm. C'était peut-être mercredi, je vois quelqu'un avait jeté quelque chose devant ma porte. Et voici cette petite note que j'ai trouvée. Happy birthday. I hope you know how special you are and how deeply you are cared for and appreciated by Ephraim Seventh-day Adventist Church. I want to thank you for this kind and deep word. I want you to know also, I do love you. Because I love you sometimes, I have to be a little hard to make sure you are on the way because Jesus is coming soon. That's all we are about. Thank you, may the Lord continue to bless you. Et pour aujourd'hui également, nous voulons demander nous pour nous quimber toujours dans la prière, notre bien-aimée sœur Antoinette Surin, pas vrai? Et nous apprécions l'église Éphraïm, qui Kimbeli, qui par jambes laisser le sol. C'est un groupe sorti, un groupe rentré. C'est pas vrai? Mais c'est comme ça, bon Dieu voulait pour nous y aller, pour nous supporter une l'autre, pour nous préparer nous pour son retour en gloire. Il y a des personnes même fatigables. Sœur Mirland, we deeply thanking you and Sœur Sonia. Sonia, même à Kimbo, sans souffle, when it has to be done, it has to be done. Nous apprécions cela, chers frères et sœurs, que le Seigneur est capable de continuer à bénir nous. Je dis hein, également, immédiatement après service, nous voulons rencontrer avec tout le monde et que nous devons procéder à la formation de la commission de nomination pour l'année 2023. Mais nous n'allons pas le faire maintenant. Nous procédons à la grande commission après le service. Après le service, pendant que nous allons avoir un entretien, nous allons former la grande commission de nomination. Pour cela, nous t'arrêmons que tout membre de l'Église, à l'intérieur de l'Église, c'est la vie de l'Église, c'est futur l'Église là, que nous tous, nous devons participer là-dedans. Nous avons également une semaine de prière pour présider notre communion service qui va commencer le sabbat 25 septembre et qui va finir 1er octobre, sabbat 1er octobre, et avec un service de Sainte-Seine. À ma grande surprise, celui qui doit prêcher pour nous cette semaine, et je suis arrivé à l'église, j'ai le trouvé à l'église. C'est pasteur Gardi Jérôme. Il est venu d'Haïti, ça n'a pas fait trop longtemps, mais il a prêché déjà des campagnes aux États-Unis. Et nous allons avoir le privilège de l'avoir avec nous pour cette semaine. Pasteur Gardi, est-ce qu'au Cap Fonti campé pour Mounioueu? Son épouse est avec lui. Ou pas camper seul, c'est pas ou seul. Son épouse est avec lui. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que nous voulons ce maintenant là ou bien sous ligne? Là. Là. Et mais la semaine, la voix du peuple, c'est la voix. La semaine se fera ici. À l'église chaque soir à partir du sabbat de 25 septembre au 1er octobre. Mais jeudi, excepté, parce que nous avons un break pour nous préparer pour le sabbat. Vous agréez ou nous ne parlez pas? Jeudi, excepté, et nous avons servi ici en 25, nous avons ici en pour une semaine de prière. Semaine de prière, ça également pour vivifier nous pour la grande croisade d'évangélisation que nous avons gagnée ici. Ce n'est pas vrai? L'église qui est en croisade qui frette comme ça? Croisade d'évangélisation, nous avons gagné l'église, non?
C'est opportunité pour chaque monde travail pour nous mener des âmes au Seigneur. C'est notre mission première, pas vrai? Et nous sommes contents d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que ce moment soit agréable et bénéfique pour chacun de vous. Y a-t-il des amis visiteurs qui sont avec nous? Amen. Bienvenue à l'église Ephraim et nous sommes contents. Et si vous cherchez l'église pour visiter, porte ça pas jamais fermé. You're welcome. Bienvenue, bienvenue. Et ici? Pardon? English? D'esprit? Oh, they say, is there any visitors here with us today? Amen, amen, amen. One, we welcome you at Ephraim Seventh-day Adventist Church. Amen. We are happy to have visitors and you are welcome and you will fellowship with us. If you're looking for a space to worship the Lord, this is the place. Amen. Welcome, welcome. May the Lord bless you. Thank you very much. I feel loved this morning. I feel loved this morning, church. Lèm la, m sansi se yon fami mwenye. E lè nou an fami, pa gan yen ki kapab rezolu an sol mo ke l'amour. M sansi l'amour lan, jan pasteur a te dil, nou remen li remen nou tout, ba we? Pou nou kapab debute servis sou matin, nou pral mette nou debout et nou allons chanter le numéro 157, Bénissant Dieu par nos cantiques. Numéro 157. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons le de même cœur, chantons ses espoirs magnifiques, son grand amour, son le troupeau que lui seul doit paître et qu'il comble de ses bienfaits. Sauveur qui sur le calvaire son sang t'a racheté. Notre joie fasse tressaillir le Seigneur. Quand ce jour le monde nous voie, nous égayons en notre Dieu.
toi, ô Dieu, notre humble majeur, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Oh, oui, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. La Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 22, les versets 36 et 37. Matthieu 22, 36 et 37. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Parole du Seigneur. Maintenant, nous allons nous jeter à genoux pour la prière. Devant face béni, on a cherché présence. Nous voulons te dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous pendant cette semaine, pour les protections, la nourriture, pour l'hébergement et les soins que tu as pris de tes enfants. Que ton nom soit exalté de génération en génération. Où t'es gardé nous, où t'es avec nous dans toute activité nous t'apprends à entreprendre. Notre travail, où te bat nous sécurité. Si mon yo, yo t'as le travail, yo t'as l'école, où t'es avec yo, où t'es gardé yo, t'es prend soin de yo même. Et nous réveiller matin, chaque matin nous réveiller. Nous quoi c'était de la part que nous te recevoir tout le bien-être ça yo. Et matin, dans Saint Sabbat là encore Seigneur, nous venons dans Saint-Temple pour nous dire merci encore. Pour divers bienfaits que vous accordez à nous-mêmes. Pour les protections, les soins que vous bannons. Pendant que le monde a traversé des moments difficiles, mais où rassurez-nous, qu'on ne peut jamais abandonner nous, ou toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Aidez-nous, Seigneur, afin que nous soyons capables de réclamer et proclamer les promesses que vous-même vous faites à petit nous. Faites des promesses à vous, promesses pas nous. Que vous allez préparer une place pour nous. Et que lorsque cette place serait terminée, tu viendrais, Seigneur, tu viendras, Seigneur, nous prendre. Et pour capable loger nous, même côté où il y a. Nous disons merci pour cette belle promesse. Nous remercions pour présence dans Saint-Temple aussi.
nous senti capable manifester nous mando que ou capable rester là que l'esprit saint ou capable planer que tout ça capable fait matin en enceinte en plan les capable fait pour la gloire de ton saint nom et nom nous va édifier à salut avec chaque jeune qui composait l'église ou connaît qui moment difficile y a traversé qui problème qui au gain que yo pas même capable partager ensemble avec nous mais au même ont déjà connaît nous mando tant prie Seigneur fais-yo sentir présence dans vie yo et fais-yo tout yo capable faire expérience personnelle yo avec yo fais-yo sentir qu'on pas jamais abandonné yo dans quelque soit tribulation qui a confronté dans quelque soit problème que yo eu il y a à comprendre qu'on pas jamais laisser yo tout seul et il y a aussi à comprendre que yo pas ou pas jamais laisser yo plus fidèle passer yo lorsque yo crie à ou même ou a toujours capable répondre au secours de yo même. Nous remettons le service là en main. Nous remettons le prédicateur que tu as choisi dans tes mains. Nous demandons tant pour Seigneur qu'on est capable de débarrasser de la chair et le sang et prend place en lui-même et fait que les paroles que vous voyez confier pour le banon, paroles sont capables de toucher que nous et que des changements capables de faire si possible. Nous présenter en tous nos malades, nous présenter au devant Seigneur. Ou konnen yo plus que yo même yo konn tèt yo. Tout d'abord, laissez-nous présenter devant sœur Antoinette Surin. Nous mandons au Seigneur que mes bénis, mes guérissants ou pas jambes écartées de sœur ça. Nous voulons présenter sœur Milta. Non mais on nous mande au Seigneur ensemble avec lui. Nous présenter sœur Mirkerlange Baou, nous présenter chérie Changlais et sa famille, sa fille. Nous présenter au devant Seigneur et tant d'autres encore qui peut-être malades que nous pas même connaissons si malades nous la guérir en main on nous demande autant prie fait au-delà de ça nous penser que tu es capable arriver à nous-mêmes afin que nous capable continuer glorifier fait que témoignage capable bailler à travers nos malades et que même les docteurs capable reconnaître qu'en dehors de nous-mêmes il n'y a plus de grand docteur que nous-mêmes et nous-mêmes seulement avec nous bénis-nous. Fais-nous sentir présence au Seigneur. Nos amis visiteurs qui peut-être viennent visiter nous pour la première fois ou pour une deuxième fois, nous demandons que l'Esprit Saint soit capable d'éclairer, que l'Esprit Saint soit capable ensemble avec vous et permettre qu'ils soient capables de comprendre que ici il y a ces places pour être capable de venir adorer tout. S'il y a capable d'adorer nous sur les ondes, nous voulons présenter au devant, nous demandons tant pis que les bénédictions qu'on a déversées sur nous-mêmes qui ici présents. Si là vous cap assister nous sur les ondes, vous même tu êtes capable de recevoir la bénédiction que les enfants les plus petits sont entre tes mains ou avec le Seigneur. Prends soin au Seigneur, bénis au Seigneur, aidez au Seigneur afin vous capable vous même tout faire confiance. Monde qui croit dans vous même, monde qui confie en vous même, vous pas jamais déçu. Tant pis perdu au des cieux. Nous avons en pile pour nous te raconter au matin, mais on te déjà connaît tout déjà. Nous la guérons en main, nous demandons que ta volonté soit faite. Bénis chacun de nous, fais-nous sentir présence. Et que le message que vous confiez à pasteur Mars pour ces enfants, afin qu'ils soient capables de même tout bénéficier de ce message. Nous voulons présenter la sœur Claudette Mars, devant qui avance, Seigneur. Ou connaît servante là mieux que lui-même. Que les nécessaires capables de faire, afin qu'elle lui-même soit capable toujours continuer à glorifier ton saint et grand nom. Assistez ton église. Bénis-nous. Bénis le monde qui a traversé des moments difficiles. Que le monde a cherché à résoudre les problèmes. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous connaissons problème, solution problème. Nous n'avons pas sorti côté l'homme, mais solution a sorti directement côté nous-mêmes. Spécialement notre cher Haïti, nous ne pouvons jamais oublier présenter Haïti devant le Seigneur. Que nous-mêmes sommes capables de passer à l'action. Fais quelque chose. Nous connaissons fixons un temps, mais fais quelque chose, Seigneur, afin que le monde capable croie, existence ou pas, jamais, toujours là, toujours. Encore une fois de plus, tant d'écrivois-nous, pardonnez-nous, exaucez-nous, nous prions non par mérite, non, mais dans nos petits doigts, lui seul la gloire, au siècle des siècles. Amen. I can see clearly now, here on my knees.
I understand better now. I understand better now. Here on my knees, I understand better now. Here on my knees. Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Amen. Et pour le service de fidélité, nous allons lire dans le livre de Proverbes 10, 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Parole du Seigneur. Oh,
la tête pour la prière. Cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour ce même ça que vous avez accordé nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons évacué à tout le travail nous et que nous sommes venus matin en attendant pour Seigneur Dieu Tout-Puissant pour nous pour gloire. Et nous bénissons, nous demandons pour bénir tout ça qui te baille, tout ça qui peut baille. Et baille, ça qui peut gagner, nous demandons pour baille. Il est retourné dans le temps pour ne pas retourner les mains vides. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À présent, nous pourrons passer à une dédication, à une présentation d'un bébé. Nous-mêmes, nous les Adventistes, nous pas baptisé Timoun, mais nous juste présenté au temple. Et c'est ça, nous pourrons le faire là, secrétaire là, sœur Eliasse. To the Lord. Okay, thank you. He said that children is a gift from God. Proclaim that sons or daughters
our heritage from the Lord. Children is a reward from the Lord. While you are obeying, pendant que nous obéissons à la loi de Dieu pour nous capables de rejoindre nous le mariage, et bon Dieu a décidé pour nous bénir nous avec Kamaya. What we need to understand as parents, we are guardians. We call to raise the child according to the will of God. The Bible says, if you raise the child according to the word of God, when the child becomes old, he will not depart from the Lord. So, the responsibility when you present a child to the Lord, you take responsibilities before God to raise the child according to the will of God. And the best way you raise a child according to the will of God is when you live your life for the Lord. In the house, you show the child love. How the child going to learn it? The love you give to one another. The child is in observance, will take that life also. We remember in 1 Samuel, Anne was praying for a child. When she had the child, she brought him, Samuel, to the temple to Eli, that he can be at the service of the Lord. So, Kamaya will be at the service of the Lord according to the way you raise her, you teach her the word of God, and she can grow up in loving the Lord and stay at the feet of Jesus also. We found in the Bible also, Jesus was presenting prayer for little children. When they were bringing the child to Jesus, the disciples were rebuking the child. The Lord said, don't forbid them, let them come unto me, because the kingdom of the Lord is for those who are like a child. That means we can be obeyed to the word of God. He takes that as an example. And the Bible says, Jesus took the child and blessed him. That's what we are here today, to bless Kamaya before the Lord. That the parents also, the Lord will provide to your needs, that you can raise the child according to his will, that he continue to bless you and to provide for you and the whole family. Not only Sister Joanne and Brother Malivert, but all the parents who are here will contribute also to support them, to provide for the child, to raise the child accordingly. Not only those who are standing here, the church also, the person who present, who call the child, she's responsible for children ministry. That means soon, when that child comes to the class, she will contribute also to teach the child according to the will of God. What about the whole church? The whole church, you call to support the family. You need to care about them, to call them, to make sure they have enough to take care of the child. If they don't, this is our responsibilities too, est-ce pas vrai? C'est responsabilité nous pour nous supporter, pour nous make sure que ti moun nan joine soin li besoin. Et pour nous capables, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit économique, financial, n'importe point, nous devons supporter ainsi. Parce que nous témoins, je dis, en le présenter, comme on a présenté tout le Lord, we make sure Kamaya has been raised for the Lord and at the feet of Jesus. At this time, we're going to pray and present Kamaya to the Lord. We ask all the ordinal elders and deacons to join us while we're going to pray with Kamaya. Because we're going to let elders on the child, because of the COVID, we let parents on the child, that's what we do. Why don't you, as an elder, we're going to hold for us while we're going to pray? You can? You go? You fine? Okay. We call elders, we have pastors on the assembly, who join us also. Pastor Joe, you can join us. Éternel, notre Dieu et notre Père, Dieu grand et redoutable, de
bonté, de miséricorde et de fidélité. En ce moment, nous nous jetons à tes pieds pour te donner gloire qui est due à toi seul et pour te remercier pour les dons de Kamaya Malivert que tu donnes à Sister Joran et Brother Malivert. Nous te supplions de ta grâce infinie avec le pardon de nos péchés, d'accepter nos prières et d'accepter Kamaya dans tes bras pour la bénir, afin qu'elle puisse grandir en sagesse, en statue, en amour devant toi et devant les hommes. Que tu aies béni ses parents et tu as alors besoin de toutes sortes, afin qu'ils puissent élever Kamaya dans la crainte de ton nom. Et lorsqu'elle sera grand ou vieux, elle ne s'en détournera pas de ta voix, elle restera toujours à tes pieds et pour avoir la vie éternelle. Les témoins qui sont présents ici, accorde-leur ton Saint-Esprit dans l'amour, dans la charité, pour contribuer également à l'enlèvement de cette petite fille, pour supporter les parents, pour les garder, pour prier pour ses parents et pour pourvoir à leurs besoins également. L'Église est devant toi en général, nous nous engageons à travailler pour toi. Mets ton amour dans nos cœurs, afin que nous puissions vivre dans l'amour, lorsque Kamaya aura grandi au milieu de nous, qu'elle puisse contempler la présence de Dieu en nous et au milieu de nous. Et tu pourvoiras également aux besoins de ton Église. Ce moment, c'est le coin des enfants. Nous élevons devant toi tous les enfants de l'Église Ephraïm. Et pourquoi pas les enfants même à travers la terre, parce que ce sont tes enfants, c'est toi qui donnes les enfants. Nous demandons, on va bénir, on va garder, on va protéger. On va bénir la direction des enfants que nous confions responsabilité, une tâche qui n'est pas facile pour élever les petits. On va avoir patience, sagesse, intelligence. Et on va connaître que c'est avant le travail, il y a une responsabilité de préparer tout le monde, ça, leur retourner pour être capable de présent, pour vivre avec vous pour toujours. On va bénir l'Église en général, et maintenant, que tu dais dans ta grâce infinie, tourner ta face vers Kamaya, que tu dais la bénir. Que tu dais tourner ta face sur elle, que tu dais la garder, et que ton Saint-Esprit habite en elle, afin qu'elle puisse grandir en sagesse, en statue, en amour devant toi et devant les hommes, et en tout épanouissement. Entends nos cris, pardonne nos péchés, exauce nos prières, et accepte Kamaya dans tes bras, nous t'en prions, au nom de Jésus qui vit, qui règne et demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Frères et sœurs, nous vous présentons Kamaya, le nouveau futur membre de l'Église Ephraïm. Amen. Amen. The church will, as a gift, you will receive a Bible, a child guidance, and your, not birth certificate, but your certificate of dedication. Amen. 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 Si gon tan ki pi spesyal nan worship, se a traver worship ke l'Eternel desan li fe manifeste sa pwisans. Mwen menm sou an vin la ekol sa ba son bagay nan pran le son, tout bagay, menm konen, le nou priye, le nou exalte, le nou salmodye le nom de l'Eternel, li présent. Est-ce que l'Éternel pas parmi nous matin? Nous prenons passer un moment nous louange nous. Ouvrez que nous et mettez-nous debout nous capables de chanter avec Praise Team. Nous. Bonjour l'Église. No, I don't like that. Bonjour, l'église. Bonjour. Ma mère tout le monde pour camper pour nous commencer praise and worship. Oh,
conscience. Moi conscient. Ou bon pour moi. Moi connais. Moi connais. Et ou bon. Ou bon pour moi. Moi conscient. Moi conscient. Et ou bon. Ou bon pour moi. Moi connais. Nous sommes parvenus à l'heure solennelle d'où nous allons partager le pain spirituel. La personne avec qui nous pourrons partager le pain spirituel, ça c'est bien le berger de l'église, à la personne de pasteur Villomars. Jusqu'avant nous tendez-les, nous pourrons tendez un morceau spécial par frère Réginald Jean-Louis. Et jusqu'après, c'est bien le pasteur de l'église, pasteur Villomars. Frères et sœurs, la paix, bon Dieu avec nous. Et moi, je dis bon Dieu merci pour tout ça qu'il fait pour moi. Et je dis bon Dieu merci de ce que il met dans une famille, bon Dieu. Et bon Dieu, merci.
Et je suis toujours content, c'est toujours un plaisir pour moi camper là, pour moi chanter pour bon Dieu. Et je suis toujours chanter, si on me contre moi, là, ou quand même dans ma machine, mais quelconque, même toujours bail bon Dieu gloire. Et juste dans l'éternité bienheureux, je suis toujours bail bon Dieu gloire. Je suis chanter chanson pour la gloire de Dieu. Chrétien, pas de gain tristesse. Tant qu'au monde qui sans espoir, mais qu'on est qui mounouye, nous c'est petit noua. Moi dit en vérité, ça c'est parole certaine pour monde. Cap suivre Jésus pour que nous pas troubler. Nous devons content, nous devons joyeux. Même les oiseaux pas semés, ils vivent heureux. Jésus va prendre soin de nous. Bon Dieu, met tes pieds dans l'homme pour y aller côté yo vle. Li wè, ça pas suffit. Toujours pour l'homme marcher. Li ba yo connaissance. Pour faire avion voler, pour y aller côté yo vle, à la bonbon Dieu bon. Nous devons content, nous devons joyeux, même les oiseaux pas semés. Li vivreux, Jésus va prendre soin de nous. Nous devons content, nous devons joyeux, même les oiseaux pas semés. Li va prendre soin de nous. Amen. Distingués amis visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et nos frères et sœurs, les amis visiteurs qui nous écoutent sur les sociaux, sur les médias sociaux, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et nous voulons remercier l'Éternel pour la grâce qu'il nous a faite d'être présents dans son Saint-Temple pour l'adoration en esprit et en vérité. Nous voulons remercier également les musiciens pour les bonnes musiques. Nous voulons remercier également Prestime. Nous voulons remercier Prestime. Nous manquons de faire pas venir encore, pas vrai? Et ouais, les maps gardent l'évolution. Hein, nous remercions les chantres, les officiers et tous ceux qui participent avec nous. Et nous allons avoir une semaine de prière. Si l'église a des cas comme ça chaque soir. Et si l'homme dit chaque soir, accompagné de Prestime, non, tout, pas vrai? But not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. If the Lord
judge them, they will be. C'est pas vrai? While we're praying for that. Et à petit moment, ça. Pour nous entretenir de la parole de Dieu, dans un moment d'adoration, nous sommes venus pour louer l'Éternel, pour prier l'Éternel, mais c'est le moment que nous avons besoin de la voix de l'Éternel parler à nos cœurs. Est-ce que nous t'aimons voir l'Éternel parler à cœur, nous? Est-ce que nous sommes disposés pour nous tendre voile et nous t'aimons obéir à la voix de l'Éternel? And we are happy also. I don't know if there's any translation for our visitor back there who doesn't speak French or Creole. Do you speak Creole? No. We have a visitor that doesn't speak French or Creole. I don't know if there's any backup. We will appreciate that because we're not going to keep in English, but this is our not language also. But we are happy to have you. I believe the Spirit will translate for you. By the Spirit of God, you will get some. Everyone here, everyone who is listening, the Spirit of the Lord will bless you. Just for being here, you are already blessed by the grace of God. Et, chers frères et sœurs, chers amis, si nous t'avons pas même prêché, nous t'es qu'à seulement répéter petite leçon. Mourir. Mourir comme une graine. C'est pas vrai? Autrement dit, yon l'église pour grandir, pour produire du fruit, ou doit mourir. Ça voulait dire un peu de mots, c'est pas le message. Lorsque ou laisser c'est Jésus qui vive dans la vie ou a produit. Lorsque c'est la volonté de Dieu qui fait dans la vie ou a produit. Lorsque c'est le moi, c'est l'orgueil, c'est le soi. Nous qui travaillons en pile, nous pas produire rien. Mais si l'Esprit de Dieu est avec nous, pas de moyen pour nous pas produire. L'elle dit mourir comme une graine. Tout le monde qui l'a peut-être. Je ne sais pas si nous sommes en même temps à moi. Lorsque vous plantez un grain de maïs ou un grain de blé, un grain de maïs en terre, le grain de maïs, ça le fait, il mourir et il produit un germe. Mais pas vrai? Germe, la fin produit un pied, il y a un compote un seul épi, il y a un compote deux, il y a un compote trois. Mais dans chaque épi, ça a une multitude de graines. Mais pas vrai? Jésus a utilisé cette métaphore en parabole pour nous faire comprendre comment, en tant que chrétiens, nous sommes capables de produire du fruit. Des fois, moi-même, avant, nous ne pouvons pas produire parce que nous avons vie, vivant, nous ne pas mourir. Nous voulons que c'est nous pour faire ces volontés, pas nous, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque la volonté de Dieu, c'est l'éclat de la vie, nous avons produit, chers frères et sœurs. C'est un cliché, nous retournons dans le texte. Le texte nous trouvons dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 est capable divisé en 4 et même en 5 paraboles et histoires. Texte nous saute lit, il dit nous comme ça que verset 36 là, une question a été posée à Jésus, c'est le texte qui va être considéré. Quel est dans la loi le commandement le plus grand? La réponse de Jésus est importante pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Notre Seigneur et notre Dieu, ta parole est ouverte. Nous sommes présents. D'aide dans ta grâce infinie, nous accorder la puissance de ton Saint-Esprit pour nous aider à la comprendre et la force de nous transformer à salut. Qu'il en soit ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Dans ce texte, en tout premier lieu, nous voyons Jésus qui baille parabole de Yonos. Il dit, yon roi qui gont petit la mariel. Mais il invite des gens pour aller venir participer en os. Il voyait des serviteurs pour aller chercher, inviter yo.
pour raccourcir chaque invité yo ba une excuse yo occupé yo pas ka vinn nan nos nan. Lorsque yo t'ai déjà invité yo ba une excuse, cela signifie que yo fait un mépris à maintenant nan et pas ça. Yo font mépris à lui-même. Et lorsque Jésus finit dit cela, il dit maintenant pendant trois fois invité yo, non seulement yo méprisé, mais il dit dans le texte là également yo tué un peu dans serviteur yo te voyé à l'invité yo. Et Jésus kounyan li tourné, il dit kounyan nous pour aller dans les rues. Pour aller prendre tout le monde nous joindre n'a mené yo vini. Et yo pour participer dans nos là. Dans deuxième partie hein, ça qui est intéressant là-dedans, il dit, il n'y a pas de bail aux critères, mais il dit à l'inviter tout le monde nous joindre. Ça veut dire qu'il prend tout le monde nous joindre. Mais il mène. Alors que on dit maintenant, c'est rentré maintenant, il joigne, et paraphraser, n'a pas paraphrasé, commencement pour nous faire dans le texte. Il joigne Kounyan, il y a un monde qui chita qui parle un habit de nos. Il dit, mon enfant, comment se fait-il que ou là ou pas un habit de nos? Il demande des serviteurs pour lier, pour jeter dehors. Texte, pour nous comprendre texte, son texte dans son contexte, convié ça, il y a parlé ici dans le texte, c'était le peuple juif. Le peuple juif était le peuple invité de Dieu qui pouvait représenter bon Dieu sur la terre. Alors que Jésus-Christ venu, il a rejeté. Et c'est ça qui fait que l'évangile l'a tourné vers les païens, moi-même avant nous là, je dis. Ils ont rejeté, ils vont chercher. Mais maintenant, si c'est nous-mêmes qui voulons chercher, il y a un bagage qui est intéressant là pour nous. Ils voulons révéler nous tous, nous entrer, pas vrai? Mais les maîtres l'ont venu, ils ont un bagage qui n'est pas bien. Dans tout le monde qui est pour nous, il y a un qui n'a pas habit de noces. Est-ce que vous avez en forme d'habit pour vous mettre, non pas rentrer, comme le texte n'a pas dit, mais pas habit de noces, non, là nous mettons dans le contexte, non? Chers frères et sœurs, nous sommes tous appelés. Mais là, cela ne veut pas dire que nous tous n'avons rentré dans le royaume. Là. Seulement, les gens qui ont rentré, c'est les gens qui ont habit de noces. Là. Ça veut dire, c'est les gens qui remettent totalement à bon Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui servit bon Dieu selon la volonté de Dieu, mais non pas selon sa propre volonté. Alors que lorsque maintenant vini, nous avons des privilèges pour nous entrer. Mais ce qui est important pour nous, que ce ne soit aucun d'entre nous que nous va mettre dehors, parce que nous va gagner habit de noces. Maintenant, le texte a été compris par les pharisiens qui étaient là, ou le peuple juif qui était là. Voilà maintenant, ils ont tellement compris, rejet a fait à eux-mêmes, mais qu'on y est. Ils ont tant d'une vérité claire, mais qu'on y est, ils ont fait un plan. Ils ont fait un plan pour être capable de piéger Jésus, parce qu'ils voulaient éliminer, pour quelle raison? Parce qu'ils proclamaient une vérité qui pas rentrer dans le sentiment. Yo. Des fois, ça arrive tout dans l'église, pas vrai? Lorsque vous prêchez la vérité, rien que la vérité, vous prêchez soit adultère, pasteur Massé, ça l'a fait, l'elle sortit le mauvais, elle dit c'est avec ou t'as parlé, pas vrai? Lorsque vous dites c'est avec ou t'as parlé ou mauvais, bon, forme tête ou pas vrai encore. C'est pas vrai? Ça arrive à Jésus. Et maintenant, on dit que. Alors, dans verset 15, ans, alors les pharisiens, après avoir compris cela, ils ont éloigné, ils ont discuté ensemble sur la question pour être capable de poser Jésus, pour être capable de piéger Jésus. Premier, ça a fait. Ils ont envoyé donc quelques-uns de leurs disciples, les disciples des pharisiens, accompagnés des gens du parti. Hérode,
Nous connaissons Jésus prend naissance sous le gouvernement d'Hérode, côté qui a fait plan pour éliminer Jésus. Ils ont voyé partisans. Et avec les Hérodiens et ses émissaires lui dirent, ils ont parlé à Jésus, « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale des gens. » Nous voyons comment aborder. Nous dit Jésus, nous connaissons que nous sommes des dieux. Vous parlez la vérité, tout ce qui c'est la vérité. Et vous ne pas garder les gens sous apparence sociale, tout le monde qui est grand, tout le monde qui est gros, ou bien tout le monde même valeur. Est-ce que ça, c'est pas une belle vérité? Vous parlez exactement ça, vous dire, mais bon, je dis un petit bagaille. Lorsque les hommes abvinent sous vous, pour la flatter ou faites pour éveiller, pour qu'on côté le braler avec vous. Parce qu'on dit toujours, les flatteurs vivent au dépens de ceux qui l'écoutent. Tout le monde aime éloge. Il a fait éloge, et les sorts viennent perdre du cabot. Et maintenant, il dit Jésus, dis-nous, puisque vous avez vérité, vous avez tout le bagaille, dis-nous donc ce que tu penses ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer l'impôt à César? Premier piège, ils viennent pour prendre Jésus. Ils dit, bon, nous connaissons la vérité. Et tout ce qu'on dit, c'est ça. Ou pas garder le monde sous apparence, ou pas tout le monde même valeur. Mais dis-nous, est-il permis de payer l'impôt à César? C'est-à-dire, le gouvernement César, ils ont prêté Jésus en contradiction avec le gouvernement. Et heureusement, Jésus, par son intelligence, pour phraser, il dit, prends-moi cette effigie. Il prend le balai. Il dit, qui non, nous est soulé? Qui écrit tout nous est soulé? Il dit, César. Jésus dit, donne à César ce qui est à César. Premier groupe pharisien, ça, il repousse parce qu'il n'a pas qu'à prendre le piège. La parole de Dieu nous dit, il n'a pas quitté Jésus sans repos. Il y a un deuxième groupe qui apparaît. Ce sont les Sadducéens. Les Sadducéens paraissent parce que ces gens-là, ils n'ont pas quoi dans la résurrection. Ils ont dit Jésus. Ils vont l'autre groupe pour piéger. Mais nous connaissons que, mais texte en lui dit, ce même jour, les Sadducéens vinrent le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui posaient cette question. Maître, Moïse a donné cet ordre. Si quelqu'un meurt, ça veut dire que si un monde mourit, il était marié avec une femme, et femme ça n'a pas de faire petite, eh bien, s'il était un frère, il doit prendre pour le capable de porter une postérité à lui-même. Et si suite de suite, mais il y a une dame qui était mariée avec un frère, il mourit, mais il y a 7 personnes qui étaient mariées avec elle. L'air ressuscité, parce qu'ils n'ont pas cru dans la résurrection, l'air ressuscité avec qui monde, femme ça a pralié. Jésus dit, nous ne comprenons rien. À la résurrection, les femmes ne prendront point d'hommes ou les hommes ne prendront point de femmes. Ça veut dire qu'à la résurrection, pas bien mariage. Parce que les hommes, nous serons comme des anges. Monsieur, ça reprend. Ils ont joué une réponse, ils ont allé, parce qu'ils n'ont pas pris Jésus dans le piège. Pendant qu'ils n'ont pas pris Jésus dans le piège, ils ont allé. Et maintenant, il y a un autre groupe qui n'a pas quitté. Ils ont pris poser Jésus une question qui concerne maintenant notre texte. Quel est le plus grand commandement qui existe? Chers frères et sœurs, chers amis, pour appliquer cela, nous comprenons dans le monde que nous vivons. La parole de Dieu déclare, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et les persécuteurs, ils mettent en rang. Lorsque vous venez, les papons, la bon lot. C'est le plan même du malin. Mais ça, vous devez faire vous-même,
lorsqu'on l'église, ou pas vine l'église ni pour pasteur Mas, ni pour qui que ce soit, ou vine l'église pour Jésus, ou doit pratiquer la vérité, rien que la vérité. Vivre dans la vérité, rien que la vérité. Si pasteur Mas est venu pour détourner de la vérité, même j'ai avec Jésus dit arrière de moi, je suis là pour la vérité. Le plan du malin, c'est pour montrer que, même Jean-Pharisien paraît, il montre que il a une bonne grâce pour être capable de détourner de la vérité. Par exemple, il y a un monde capable d'où, le plus souvent, oh, ou pas besoin de payer dîme à l'église. Parce que dîme, ça, c'est l'empoche pasteur, l'empoche conférence libre à aller. Automatiquement, le monde, ça, c'est l'argent d'où, qu'un beau compte, le monde, a une bonne grâce, ou pas vrai? Mais la dîme, c'est quoi? C'est une chose sacrée parce que c'est demandé par l'Éternel dit apporter les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ou détournons, et puis même moun sa qui pas porter là, lui enseigner d'autres moun à faire de même. C'est un piège pour attirer vers vous la malédiction. Par exemple, you non piège ou qu'apprend qu'il y a une grande église, c'est pas vrai? Nous avons une grande église, en pile de choses pour nous faire. Il y a des gens qui ont dit, ou pas besoin de dire, ou offrande. Ou style pas servir l'Éternel fidèlement, parce que l'Éternel dit, apporte les dîmes et les autres. Et les offrandes. Lorsqu'on détourne, on ou qu'on essaie d'enrichir ou pas enrichir, je garantis que c'est une malédiction. C'est une question d'obéissance à la voix de Dieu. Et Dieu lui-même pourvoira à tous nos besoins. Parce que la parole de Dieu déclarée dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute autre chose nous seront données par-dessus. Chers frères et sœurs, chers amis, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de facile parce que nous avons beaucoup d'épines sur notre chemin. Si nous voulons servir Dieu pour avoir la vie, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et pour arriver à tous ces pièges tendus à Jésus et lui surmonter, parce qu'il était dans la vérité. Et lorsque nous sommes dans la vérité, peu importe les pièges que Marlène entend pour nous, nous pas besoin de peur, n'a pas remporté la victoire, parce que ce n'est pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ qui est avec nous. Ainsi, notre texte n'a pas là pour y retourner pour nous. Pour quatrième groupe, l'a dit. Mais dis-nous, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répond, la réponse de Jésus dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Trois points essentiels à retenir. Comment aimer bon Dieu avec tout cœur? Comment aimer bon Dieu avec tout amour? Comment aimer bon Dieu de toute pensée? Jésus dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Il dit maintenant, il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Chers frères et sœurs, chers amis, ça veut dire pour vous, remet bon Dieu avec cœur. On nous dit que le cœur, dans la vie, c'est organe vital, c'est moteur de la vie. C'est lui-même qui a pompé sang. Si cœur ça tout entier à l'Éternel, là, bon, bon état, c'est pas vrai? Si cœur tout entier à l'Éternel ou aimer l'Éternel, ça veut dire que de tout ton cœur, pas de place dans le cœur ça pour ni animosité, ni l'hypocrisie, ni jalousie, ni orgueil, de place pour l'amour parce que notre Dieu est amour. Cœur là. Des fois, est-ce que nous baillons l'Éternel livré? Lorsque nous baillons l'Éternel cœur là, ça veut dire qu'il a dirigé, le gain sarélo obéi. Obéissance à la parole de Dieu. Mais il dit de tout ton âme. Maintenant, l'âme, ce n'est pas une entité séparée de l'homme,
Parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque mon Dieu créé Adam et Ève, Adam, elle a soufflé dans la rime, et puis il est venu un être vivant. L'âme, c'est la vie totale de l'individu. C'est l'homme vivant, être vivant. C'est-à-dire, notre vie tout entière doit être à l'éternel. Tout nous-mêmes doit à l'éternel pour nous obéir totalement à l'éternel. C'est une obéissance totale au commandement de Dieu, ou du moins, remet mon Dieu, c'est l'amour, l'amour total. Le titre même que nous mettons dans ce message, c'est l'amour total. Remet mon Dieu avec tout cœur, tout amour et toute pensée. La pensée, on dit maintenant, c'est un élément vital également dans la vie, c'est force-là qui traduit vos émotions, vos penchants et vos réactions. Lorsqu'on retourne à penser, des fois, ou qu'on a même prié, et mauvaise pensée a venu dans la tête, ou pas vrai? Non, pas les gens qui comptent ça. Quand les gens ne sont pas venus en passer dans la tête, ou pensent au dérang. Mais si tout pense ça à l'éternel, ou êtes capable de remettre tout le monde, ou êtes capable de faire bon Dieu le contrôle de toute la vie. On dit ce texte-là également, les Juifs remettent ça, ils répètent le matin et soir. Ils emploient un terme écoutez, Israël, c'est le terme Shama. Ils dit écoutez Israël, Moïse a parlé à Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je vais poser une question. Moi-même, avant qu'il a, est-ce que nous aimons l'éternel dans sa totalité? Est-ce que nous avons un amour total pour l'éternel? L'amour pour ce patient, l'amour fait tout ce qui est bien et tout ce qui est bon. Aimons-nous Dieu, chers frères et sœurs. De Dieu. Il semble que des fois, nous connaissons plus par ce bon Dieu, comment pour nous faire bagaille pour nous plaire bon Dieu, mais nous pas faire les gens bon Dieu mandé pour nous faire. Son piège. Tout ça nous pour nous faire, c'est obéir à la volonté de Dieu, et bon Dieu lui-même, selon sa parole, l'a obéi nous. Soit allé dans Esaïe 59, il dit que lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, bon Dieu seulement l'a béni nous, nous pas jamais à la queue. N'a pas toujours à la tête, nous pas bien en bas, n'a pas toujours en haut. Maintenant, ça qui arrive, problème yon fait à nous-mêmes, yon devant nous tellement tracassé tête nous connaissons, nous cap chercher way pour nous résoudre problème yon, et puis problème yon, ça qui arrive, yon multiplié sur nous. Mais si nous, by bon Dieu, première place dans la vie nous obéit totalement à la parole de Dieu, c'est qu'on sa problème yo a besoin une solution yo, parce que bon Dieu lui-même c'est lui qui a une solution à tout problème. Il est le mathématicien par excellence, mais nous passer dans le long chemin au lieu que nous obéir à la parole de Dieu pour nous faire confiance totale, pour nous marcher selon ses principes et ses commandements. L'Éternel dit que vous devez aimer bon Dieu avec tout cœur. Et Moïse déclarait au peuple Israël, et il dit dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta, et de toute ta force. On dit que c'est ce verset-là, on dit les Juifs, ils ont ressuscité par cœur, on dit schéma, ce qui signifie écouter. C'est-à-dire, prêter attention à la parole de Dieu. Des fois, nous tendez, mais nous pas écouter. La différence entre tendez, si vous frappez un bruit là, de yon, quand tendez bruit, hein, mon pas qu'à localiser, ou pas qu'à comprendre, côté de sortie. Mais là, vous écoutez avec attention, ou prêter attention pour prendre direction, pour comprendre qui s'est passé.
Est-ce que c'est un dôme qui tombait? Est-ce que c'est un roche qui voyait? Ou prêtez attention. C'est pourquoi il dit écoutez des chemins. Lors écoutez, ou prend disposition pour comprendre et pour mettre en application. C'est ainsi que nous devons étudier la parole de Dieu. Quand il dit écoute Israël, fort aimer mon Dieu avec tout cœur, avec tout amour, avec toute pensée. Et Jésus disait, c'est le premier et le plus grand commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans cette comparaison, pour comprendre comment aimer prochain, il faut comprendre comment aimer tête. Et la règle d'or nous dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fie à toi-même. Pas faire moun yo, sans pas t'aimer yo faire. Automatiquement, on vit ainsi, pas de moyen pour pas gagner privilège pour recevoir les bénédictions de l'Éternel. Et l'ennemi de nos âmes, lui mettait tellement orgueil en nous, nous pas qu'à coopérer une à l'autre, nous pas qu'à vivre bien une à l'autre, et tout le temps, chers frères et sœurs, l'amour, pasteur m'a ça passé là, l'a passé sous ses caroles, lui ouais ses caroles, mais le passé long l'autre porte. Et puis l'a bien adoré, pas vrai? Pas vrai? Quand dit ça, c'est vérité liée. C'est vérité liée. Parce que nous chitons ensemble, n'a pas adoré l'église, non? Mais nous ne pouvons pas descendre en bas pour nous faire l'orchip ensemble. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Est-ce que nous avons fait effort pour nous bagailler ça au banni dans le temps, pour nous bannir la caille, ou pasteur Mars, pour nous bannir la caille? Pour nous vivre en paix avec frère nous, avec soeur nous, sans hypocrisie. Nous devons chasser l'hypocrisie en nous et au milieu de nous. Nous devons chasser la jalousie, l'orgueil, la médisance en nous et au milieu de nous. Car nous devons donner notre être tout entier à l'Éternel. Si notre être tout entier est à l'Éternel, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chers frères et sœurs, chers amis, est-ce que nous voulons Christ vivre dans la vie nous? Si nous voulons Christ vivre dans la vie nous, c'est le seul moyen nous gagner pour nous emporter la victoire d'abord sur nous-mêmes et la victoire sur les autres. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, contre les esprits méchants qui nous environnent dans les lieux célestes. Est-ce que nous voulons vivre pour Jésus? Si nous voulons vivre pour Jésus, retourner dans notre leçon, il faut nous mourir. Vous pilez ou pas comprendre? Vous parlez mal ou pas comprendre parce que le regard fixé sur Jésus? Le regard fixé sur Jésus, ou bien les gens qui ont persécuté ou déjà remporté la victoire. Ce n'est pas vrai? C'est ce qui était arrivé pour Josaphat, ce n'est pas vrai? Devant cette multitude, je ne sais que faire. Mais mes yeux sont sur. Chers frères et sœurs, l'église Ephraïm, est-ce que nous voulons prendre disposition pour nous remettre nous tout entier à l'Éternel, pour que le regard nous reste fixé sur l'Éternel et l'Éternel seul? Et disposition, ça, pour nous chercher la paix, comme la parole de Dieu déclare, avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que nous voulons prendre disposition ça pour nous faire une nouvelle page dans la vie nous? Pour que l'Église nous progresse, pour que l'Église nous grandisse, et si l'amour ça a demeuré dans nous, nous garantis, nous n'avons pas besoin de faire effort, les réunions à faire pour tout le monde là, parce que nous n'avons pas envie de l'autre. Nous n'avons pas envie de l'autre et nous avons venu l'Église. Et si c'est ce que Dieu veut pour nous, Dieu nous demande, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent dans mes voies. Est-ce que nous voulons remettre nous à l'Éternel, chers frères et sœurs? Pour nous, l'Église a l'autre chance pour l'Église de prospérer à tous égards. L'Église n'a qu'à prospérer, mais c'est lorsque nous, l'Éternel, prend la direction, la vie, nous, l'Éternel seul a dirigé nous, chers frères et sœurs. Ainsi, lorsque Jésus parlait, il parlait que de l'âme de notre corps. Dans Marc chapitre 14, verset 34, il dit, mon âme est triste et à en mourir,
Restez ici et priez avec moi. Ça fait que l'âme, on dit nous, l'éprouver de la tristesse. Mais seul monde qui a contrôlé, qui a enlevé la tristesse pour nous la joie, c'est Jésus de Nazareth. Jésus, l'âme, il connaît que il est capable de prendre souffrance, il est capable de prendre tristesse. Qui ça prend souffrance et tristesse? Si c'est ton esprit qui a évadé, ce n'est pas ça. C'est l'être humain. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez et priez avec moi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si nous vivons par l'esprit, nous sommes capables d'accomplir les choses de l'esprit, mais si nous vivons par la chair, nous ne pouvons pas accomplir les choses de la chair. Parce que l'esprit et la chair sont opposés. Il vaut mieux de vivre par l'esprit. Lorsque nous vivons par l'esprit, nous sommes capables vraiment d'obéir à la parole de Dieu. L'esprit est comme force attractive qui en nous cap permettre que nous marchions de victoire en victoire lorsque nous vivons par l'esprit. Le acte 1er verset 8 il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Lorsque cette force nous épreille, nous sommes capables d'accomplir des choses bonnes à la gloire de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous, nous ne sommes pas capables d'obéir. Nous ne sommes pas capables de faire bon Dieu cœur. Nous ne sommes pas capables d'aller selon sa volonté, chers frères et sœurs. Nous devons nous remettre totalement à l'Éternel pour que c'est la volonté de Dieu qui fait dans la vie, nous, mais ce n'est pas notre propre volonté. Et l'effet également des paroles, nous, des actions, nous, il y a un effet sur la vie, nous, parce que la parole de Dieu est déclarée, par ta parole, tu seras justifié, et par ta parole, tu seras condamné. Si nous vivons par l'esprit, nous avons des bonnes paroles, assaisonnées de sel, pour nous capables de vivre en paix avec frères, nous, avec sœurs, nous, mais si nous vivons par la chair, nous ne sommes pas capables d'accomplir de rien, chers frères et sœurs. Et si l'apôtre Paul déclarait dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il dit, seul moyen pour nous accomplir ce qui est bien, c'est lorsque nous dépendons de Dieu, parce que de par nous-mêmes, pas gagner rien bon, nous qu'à accomplir, chers frères et sœurs. Si nous dépendons de Dieu, la façonner nous à son image, nous capables d'accomplir ce qui est bien. Il dit que la paix de Dieu seulement capable de sanctifier nous tout entier, de capacifier notre être ou l'âme, l'esprit, l'âme et le corps pour être capable de conserver irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. C'est la paix de Dieu en nous qui est capable de nous force. Non? Pour aimer bon Dieu avec tout cœur, avec tout amour, avec tout esprit, nous avons besoin que notre vie dirigée par l'esprit de Dieu. Soumettons-nous totalement à la volonté de Dieu et dès lors, nous va accomplir la volonté de Dieu, nous va apprendre à aimer bon Dieu et nous va apprendre à aimer prochain nous. Si pour nous prouver notre amour pour Dieu, c'est à travers nos prochains qui sont avec nous, lorsque nous vivons avec eux dans l'impartialité, dans l'amour, dans la charité, dans le respect mutuel et nous soucier l'un pour l'autre, c'est maintenant nous va en mesure sous l'influence du Saint-Esprit pour mettre nous ensemble et nous va proclamer cette bonne nouvelle que nous avons à proclamer pour le salut des âmes. Et lorsque Jésus retourne, parce que nous t'ai obéi à toute parole, il est capable de prendre nous, rentrer dans son royaume. Et même Jean parabole là, nous va rentrer dans nos là. Mariage là, c'est le mariage avec le Fils de Dieu. Bientôt, mariage là pour le proclamer. L'Église va être enlevée pour être avec Christ pour toujours. Est-ce que nous faisons plan, chers frères et sœurs, pour nous tous présents? Est-ce que nous faisons plan pour nous présents? Pour nous présents, il faut accepter, laisser le moi mourir, pour nous vivre pour Christ, et pour nous capables de remettre bon Dieu et remettre prochain nous, avec tout cœur nous, avec toute âme nous, avec toute pensée nous. Nous ne pas penser mal des personnes, nous voulons bien-être de tous, et nous remettre nous à l'Éternel, et nous va vivre en paix, l'un avec l'autre. Et puisque le ciel, c'est un langage d'amour seulement qui a rentré là-dedans, car Dieu est amour, lorsque Jésus revient bien, nous tous, nous va présents, nous va vivre avec elle pour le temps, pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Amen. Nous remercions Pasteur Mars pour un message de circonstance à Kulbay là. Nous entendons côté tout le monde à chercher propre intérêt. Mais c'est nous suivre parole bon Dieu. Il dit là nous vivre une pour l'autre, remettre une l'autre et nous sanctifier tête nous. C'est comme ça nous capable avancer, c'est comme ça nous capable voir l'éternel. Nous remercions tout le monde qui a participé matin, qui fait un service en réussite. Et n'a dit parole ça yo exhortation ça que le baillo pas juste tendé yo mais kembe yo nan vie nous pour nous capable 489 pour nous capable grandir spirituellement et pour nous capable grandir spirituellement et jusqu'à avant nous n'a pas le mettre nous debout et nous pour aller chanter le numéro 489 entre tes mains, j'abandonne sous la direction de Sœur César. Merci.
Tout en moi soit il en nous. Celui qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, dès dans sa grâce infinie, nous conserver irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qu'il nous renvoie de ces lieux, mais non devant sa face, avec l'onction de sa paix et de sa grâce, et la disposition de mettre en pratique sa parole, qu'il en soit ainsi, nous le prions au nom de Jésus. Amen.